Bonjour tout le monde, bonjour à nos amis tunisiens et algériens. Bon, cette pandémie a permis de développer ce nouveau genre de formation, ces webinaires, et je suis heureuse de démarrer ce premier webinaire de contactologie maghrébin. Et j'en profite pour remercier les laboratoires BioLens qui ont pour cette initiative. Donc ce webinaire sera modéré par le professeur Esma Ektani, chef de service de l'ophtalmopédiatrique de l'hôpital 20 août. Je remercie également les orateurs qui ont accepté de participer avec moi à cette formation. Dr Nadia Korchen de Tunisie, Dr Mouki Mouattes Billah d'Algérie, de professeur Raja Belhiddou de Marrakech. Donc, pendant ce webinaire, nous allons parler de l'adaptation des kératocones. Et je tiens à rappeler, avant de passer la parole à Nadia, que la contactologie, c'est une sous-spécialité de l'ophtalmologie, que c'est un geste médical qui n'est pas dénué de complications. Et c'est pour ça que les ophtalmologues doivent être les premiers à voir ce genre de patients. Et je passe tout de suite la parole au docteur Nadia Korchen, qui va dire un petit mot, et puis à professeur Ktiani qui va prendre les rênes de cette manifestation. À toi, Nadia. Donc, merci beaucoup, Hasna. Vraiment, donc l'Association tunisienne des ophtalmologistes, contactologues et surfaces oculaires est heureuse de participer à ce webinaire d'adaptation qui a été organisé par vous et par les laboratoires BioLens. Nous remercions, je vous remercie, Hasna Lamedi, je remercie professeur Ketani pour votre invitation afin de parler de l'adaptation du kératocone qui est toujours et restera tout le temps un acte médical strict pour donc sous nos cieux. Donc je passe la parole à professeur Esma Ektani. Bonjour chers amis, bonjour à tous les ophtalmos qui nous suivent. C'est un réel plaisir de nous voir déjà, de nous retrouver autour de ce sujet qui est hyper intéressant pour les contactologues que nous sommes, mais également pour tous les ophtalmologistes, qu'ils soient confirmés ou en formation, qui s'intéressent à la contactologie. C'est vraiment le sujet de contactologie qui revient le plus, c'est le kératocone. Et donc, sans plus tarder, pour ne pas perdre de temps et pour qu'on soit vraiment dans les temps, je passe la parole à mon amie Hesna Lamali pour qu'elle introduise ce webinaire, pour qu'elle présente donc pour le kératocone. À toi, Hesna. Donc, pour la première présentation, je vais rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un kératocone, comment faire le diagnostic d'un kératocone et quand est-ce qu'il faut mettre une lentille sur un kératocone. Alors, le kératocone, ça provient du mot grec kérato pour cornée et konos pour forme de cône. C'est une dystrophie cornéenne bilatérale, symétrique et non inflammatoire. Quoique ce non inflammatoire actuellement est remis en question parce qu'on a trouvé beaucoup de protéines d'inflammation chez les patients qui ont un kératocone. Et il est caractérisé par un amincissement et une déformation progressive de la cornée. Sur le plan optique, ça donne une altération de la géométrie cornéenne, responsable de l'astigmatisme irrégulier et d'aberrations optiques de haut degré. Et il est d'autant plus grave que ça touche plus les sujets jeunes, et donc ça altère la vision et la qualité de vie d'une population qui est active. Donc voilà comment on voit un petit peu un kératocone, et on imagine que ça n'est pas du tout agréable de voir de cette façon. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est, dont l'incidence et la fréquence sont très variables selon les régions. 13 cas pour 100 000 habitants aux USA, 0,03
3% en Russie et 3,3% en Iran. Pourquoi cette différence? Est-ce que c'est les moyens de dépistage? Est-ce que c'est quand on dépiste un kératocone, la classification également des kératocones frustes et débutants n'est pas encore unifiée? Et est-ce que ce sont des facteurs génétiques, environnementaux? L'étude de prévalence est assez ancienne, c'est l'étude de Rabinowitz qui a montré qu'il y a 54,5 nouveaux cas pour 100 000 habitants aux États-Unis. Alors, toujours sur le plan épidémiologique, 40% des formes seraient familiales et quelqu'un qui a un parent qui a de premier degré qui a un kératocone a 15 à 67 fois plus de chances de développer lui-même cette pathologie. Là, sur le plan génétique, les différentes études n'ont pas réellement trouvé de gènes vraiment responsables, mais la transmission serait autosomique récessive d'après les études qui ont été faites sur les jumeaux. Il n'y a pas de différence entre les deux sexes et on trouve parfois des maladies où le kératocone est plus fréquent, c'est la trisomie 21 et les maladies du collagène, comme le syndrome de Marfan, etc., l'amaurose de Leber. Alors, toujours sur le plan épidémiologique, c'est le frottement des yeux qui est au premier plan parmi les facteurs de risque de kératocone. Il est associé au terrain allergique, il est très fréquent et considéré comme la principale cause de kératocone. D'après la théorie mécanique, le frottement répété des yeux va entraîner une fragilisation de la cornée, une altération de la disposition des fibres de collagène et un amincissement du stroma. Et d'autres facteurs de risque sont apparus ces derniers temps. Est-ce qu'un grand diamètre cornéen s'accompagnerait plus souvent de kératocone parce qu'il y a plus de surface cornéenne qui est exposée aux allergènes? La position du sommeil, quand on se couche sur le ventre ou bien lorsque plus l'œil est proche de l'oreiller, plus le risque augmente parce qu'il est au contact de l'allergène et parce qu'il y a le frottement contre l'oreiller. La sécheresse lacrymale et la blépharite, et là on rejoint le frottement. Le travail sur écran, le travail nocturne, ça ce sont les dernières hypothèses. Il semblerait que ça soit plus fréquent chez les patients qui travaillent sur écran ou bien qui ont un travail nocturne. Alors, est-ce que ça serait une pathologie multifactorielle avec une prédisposition génétique, des facteurs ethniques, des facteurs d'atopie, le frottement, le climat chaud qui va déclencher ce kératocone, mais ceci, ça reste toujours au stade hypothétique. Alors, et l'évolution naturelle, en général, le kératocone débute à la puberté. L'âge moyen est de 27 plus ou moins 9 ans. 90% sont diagnostiqués entre 10 et 39 ans. On sait que la progression est maximale entre 10 ans et 20 ans, qu'elle est ralentie entre 20 ans et 30 ans et qu'elle est rare après 30 ans. C'est pour ça qu'on fait un cross-linking, surtout chez les patients de moins de 30 ans. Et au-delà de 30 ans, il faut prouver que c'est évolutif. La plupart des études ne retrouvent pas beaucoup de patients âgés. Est-ce que c'est dû au décès plus précoce de ces patients qui ont des pathologies du collagène ou bien c'est du fait que c'est une pathologie connue, que le traitement et le pronostic sont connus? Ces patients ont arrêté les consultations. Alors d'abord, comment faire le diagnostic d'un kératocone? Sur le plan fonctionnel, ça donne des signes fonctionnels qui sont assez peu spécifiques. C'est un flou visuel, une diplopie monoculaire, une baisse d'acuité visuelle progressive, un brouillard. Et parfois, c'est découvert de façon fortuite lors du bilan d'une chirurgie réfractive ou lors d'un changement de correction optique. À l'examen clinique, il faut toujours regarder les mires du réfractomètre. Je sais qu'il y a beaucoup d'ophtalmos qui délèguent ce geste, mais c'est important de voir les mires. C'est comme si on voyait une topographie de Placido. Il y a une déformation des mires du réfractomètre. La réfraction objective va montrer un astigmatisme qui est variable. Et très souvent, quand on fait la correction optique subjective, on trouve que l'astigmatisme qui donne la meilleure acuité visuelle est différent de celui qui est mesuré par l'appareil. L'acuité visuelle corrigée est inférieure à 10 dixièmes, surtout pour les petites amétropies. Donc, on retrouve une acuité visuelle corrigée inférieure à 10 dixièmes. Il faut tiquer et penser que c'est peut-être un kératocone. Alors, les signes de la lampe à fente sont bien connus. Les stries verticales de Vogt, l'amincissement cornéen, la déformation cornéenne, les opacités cornéennes. Mais parfois, on n'a aucun signe clinique. On a un examen qui est tout à fait normal. Pas de déformation ni d'amincissement. On peut parfois trouver chez ces patients un anneau de Fleischer, mieux visible en lumière bleue. Parfois, on a une visibilité anormale des nerfs cornéens qui est inconstante et non spécifique.
Donc, ce sont les kératocoles infracliniques et les kératocoles frustes. Et là, on se base sur la topographie pour faire le diagnostic. Il ne faut pas essayer à le demander devant tout astigmatisme évolutif et devant toute kératoconjonctivite allergique. Chez l'enfant, le kératocole est très fréquent sur les kératoconjonctivites printanières. Alors, avant de rappeler les signes topographiques, je dirais qu'une cornée normale a un rayon de courbure moyen qui est compris entre 7,40 et 8. Que la puissance dioptrique moyenne est de 47, que la cornée est prolate, c'est-à-dire qu'elle est plus plate en périphérie, plus cambrée au centre, et qu'elle est asphérique, et tout ça, ça permet la diminution des aberrations optiques. Le facteur Q mesure la sphéricité de la cornée, et dans une cornée normale, c'est une cornée prolate, on a un facteur Q qui est inférieur à 0, qui est de l'ordre à peu près entre 0,1 et moins 0,1 et moins 0,26. Alors, quand on veut diagnostiquer un kératocole, on commence par regarder les valeurs affichées. La kératométrie moyenne normale est supérieure lorsque la kératométrie est supérieure à 47 dioptries, ce qui correspond à 7,40 mm, il faut tiquer. Le K-max, quand il est normalement inférieur à 48 dioptries, quand il est supérieur à 48 dioptries, il faut tiquer. Le facteur Q normal est de 0,26. En cas de kératocone, on a une cornée qui est très cambrée et donc très prolate. Et on a un facteur Q qui est très, très inférieur à 0. Par exemple, ici, sur une cornée normale, il est de moins 0,13. Alors que sur des cornées kératoconiques, il dépasse le moins 1. La pachymétrie, dans nos pays, on sait que la pachymétrie est fine. Normalement, elle est comprise entre 7,80 et c'est entre 480 et 540. Donc, quand la pachymétrie est inférieure à 480, il faut tiquer. Ensuite, il faut regarder la forme du sablier. Et je pense que tout le monde connaît les différentes formes de sablier qui font suspecter un kératocone. Et on va mesurer le srax, c'est-à-dire l'angle formé par les axes des deux parties du sablier en cas d'astigmatisme. Ce srax, c'est 180 moins l'angle formé par les deux axes. Si, par exemple, ici, sur ce cas, on a l'angle formé par les deux axes est de 120 degrés, le srax est de 60 degrés et le srax est anormal. S'il est supérieur à 20 ou 30 degrés, on trouve différentes valeurs dans la littérature, c'est soit supérieur à 20 degrés ou supérieur à 30 degrés. Sur la carte pachymétrique, on va regarder la position du point le plus fin qui doit être à côté du centre de la cornée, sur les cornées kératoconiques qui sont assez éloignées. Et on regarde la différence entre les points d'un même cercle, si elle est supérieure à 30 microns, c'est suspect. On regarde la carte d'élévation antérieure, au niveau des 5 mm centraux, au-delà de plus 12, c'est une cornée qui est suspecte. La carte d'élévation postérieure, au niveau des 5 mm centraux, si c'est au-delà de 15 microns, c'est une cornée suspecte. Donc, juste pour rappeler la classification des kératocones qui se base sur le degré de myopie, d'astigmatisme et sur la kératométrie et l'épaisseur cornéenne, et elle est classée en 4 stades, du stade 1 au stade 4. L'OCT de cornée est un grand apport dans le kératocone, mais en contactologie, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça permet le diagnostic précoce, ça nous donne le mapping épithélial et l'épaisseur du stroma. Alors, quel bilan faut-il faire avant l'adaptation? Tout d'abord, commencer par discuter avec le patient et prendre son temps avec le patient. La contactologie, c'est une spécialité qui est très chronophage, c'est pas une consultation de 5 minutes. Donc, il faut parler avec le patient, évaluer sa psychologie et sa motivation, expliquer les différentes étapes de l'adaptation et discuter sans trop insister sur les difficultés au début pour s'habituer aux lentilles. Et vérifier s'il a déjà porté des lentilles, si c'est le cas, comment il les supportait, comment il les entretenait, etc. Ensuite, il faut étudier la réfraction. Même chez quelqu'un qui a un kératocone, il faut mesurer la réfraction subjective. Et c'est une réfraction subjective, là aussi, qui est chronophage, parce que le résultat de la réfraction subjective est souvent différent de la réfraction objective. Et pourquoi est-ce qu'il faut mesurer cette réfraction? Parce que d'abord, si on a une acuité visuelle corrigée supérieure à 6 dixièmes, on n'est pas obligé de mettre des lentilles, se contenter de lunettes, sauf si le patient est demandeur. Et si cette acuité visuelle est inférieure à 6 dixièmes, le fait de mesurer l'acuité visuelle avec les lunettes, ça nous permet de montrer au patient le gain qu'il a eu avec les lentilles et ce qui va l'aider à accepter ces lentilles de contact. Alors, la topographie, est-ce qu'elle est indispensable pour l'adaptation? Elle est très utile parce qu'elle nous permet de voir quels sont les diamètres des différentes zones de la cornée. Mais on peut adapter des kératocones sans topographie.
Comme on peut recourir à une topographie de contactologie, ce sont des topographes de Placido qui étudient la face antérieure de la cornée sur un diamètre plus large que les topographes habituels et qui permettent d'avoir une simulation d'adaptation pour le choix des lentilles. Comme par exemple ici, c'est un logiciel d'aide à l'adaptation qui nous donne une simulation d'image fluo quand on fait rentrer la topographie du patient avec les données de la lentille qu'on a choisie pour l'adapter. Le cross-linking et lentille de contact. Alors, on sait que le cross-linking stabilise le kératocone dans 90% des cas. Il doit être réalisé avant l'adaptation en cas de risque d'évolutivité, par exemple chez un enfant, chez quelqu'un qui a moins de 30 ans, ou bien si le kératocone est évolutif. On sait que le cross-linking va entraîner un aplatissement de la cornée jusqu'à 2 à 2,5 dioptriques. Il peut diminuer le cylindre dans 45% des cas. Et on sait aussi que son action ne sera définitive qu'au bout de 3 à 6 mois. Donc moi, je pense qu'il faut attendre au moins 2 mois après un cross-linking pour faire l'adaptation. Il y a une phrase qui tourne, c'est qu'il faut toujours adapter en lentille de contact parce que la lentille de contact bloque l'évolution du kératocone. Vrai ou faux? Donc, dans les kératocones stade 1 et 2, il faut toujours essayer une réfraction de lunettes. Si l'acuité visuelle est supérieure à 6 dixièmes avec les lunettes, les lentilles de contact ne sont pas nécessaires, sauf si le patient est demandeur. Si l'acuité visuelle est inférieure à 6 dixièmes ou si le patient a une fonction qui est exigeante sur le plan de performance visuelle, à ce moment-là, on peut adapter en lentilles de contact. Mais les lentilles de contact ne freinent en aucune façon l'évolution du kératocone. À l'inverse, des lentilles mal adaptées peuvent fragiliser encore plus la cornée et aggraver un kératocone. Alors, quand proposer une adaptation à un kératocone? Quand on a une acuité visuelle qui est supérieure à 6 dixièmes, si le patient ne veut pas porter de lunettes, à ce moment-là, on peut l'adapter. S'il accepte ses lunettes, ce n'est pas nécessaire. Le kératocone dans la meilleure acuité visuelle corrigée est inférieur à 6 dixièmes. Et je pense qu'il faut, même en cas d'opacité cornéenne, avec la gamme de lentilles qu'on a actuellement, on peut proposer une adaptation avant de proposer la greffe de cornée. Les facteurs d'échec, on peut les deviner avant l'adaptation. Ce sont les patients peu motivés, les kératocones très asymétriques parce que le patient voit bien avec un œil et ne sent pas vraiment le bénéfice des lentilles de contact. Et quand le patient a une acuité visuelle corrigée supérieure à 6 dixièmes. Donc en conclusion, c'est une pathologie du sujet jeune. La prise en charge comporte deux volets. D'abord, il faut stabiliser le kératocone. Et deuxièmement, assurer une bonne réhabilitation visuelle. Et je pense qu'il faut toujours essayer une adaptation avant une greffe de cornée. Et je vous remercie. Merci Hesna pour ce topo qui rappelle effectivement le kératocone, son diagnostic et sa prise en, enfin et le bilan pré-adaptation. Je pense qu'on va laisser la discussion après les différents topos. Et donc je passe la parole et merci aussi d'avoir respecté le temps et de nous avoir fait même gagner un petit peu quelques minutes dont on profitera pour la discussion. Donc je te passe la parole Nadia pour nous parler de l'adaptation à proprement parler en lentille rigide gaz perméable. Donc, merci beaucoup, professeur Hasna Al-Ameri, pour cette belle présentation, cette belle introduction par rapport à l'adaptation en lentille de contact rigide dans le kératocone. Alors, comment la réussir en 2020? Alors, en 2020, on a le Covid-19, donc l'adaptation passera toujours
déjà par la protection du personnel soignant, la protection de l'ophtalmologiste, et ça, bien sûr, à ne pas négliger, surtout pour les contactologues, particulièrement, puisque c'est une adaptation qui va durer au moins 1h30. On va manipuler donc des larmes où le COVID, le SARS-CoV-2 sera possiblement solubilisé au niveau des larmes, on va manipuler des lentilles, on va être très très proche du patient. Donc c'est très important donc d'organiser sa consultation, d'organiser son adaptation, de protéger donc les soignants avec lui, de protéger le personnel soignant et de se protéger bien sûr, d'assurer une protection pour le patient lui-même en lui offrant donc un masque chirurgical et bien sûr de se laver les mains et faire un gel hydroalcoolique avant d'entrer. Toutes ces recommandations seront donc pour mes compatriotes tunisiens donc sont mis sur la page de la Stock SO et bien sûr il y a aussi donc les recommandations de l'INAS qui a été mise au point donc grâce à la Société tunisienne d'ophtalmologie, à la Stock et donc section du syndicat des médecins de libre pratique, la section ophtalmologie. Donc on va commencer donc l'adaptation en elle-même. Donc le kératocone, ça touche une population quand même assez jeune, qui est très active. On a eu des incidences assez disparates entre les pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'adaptation par lentille de contact s'impose à chaque étape évolutive du kératocone. L'adaptation est un acte médical strict. Je répète que c'est un acte médical strict et particulièrement pour le kératocone. Et bien sûr, pour la réussir, on a 5 règles donc à observer obligatoirement. Donc, quand il s'agit d'un kératocone, il faut penser l'antirigide perméable au gaz, reconnaître les besoins du patient et l'environnement dans lequel il évolue. Si on a une acuité visuelle insuffisante avec lunettes, donc inférieure strictement à 5 dixièmes, là, on pourrait donc adapter le patient. Sinon, comme l'a dit professeur Lameri, vaut mieux donc si on n'a pas une demande donc pressante du patient, vaut mieux donc délaisser l'adaptation lentille rigide et bien sûr informer impérativement le patient que les lentilles n'arrêtent jamais l'évolution du kératocone, traiter la surface oculaire, proscrire bien sûr les frottements et commencer l'adaptation sur un œil qui est calme. Donc la première étape, c'est vraiment l'examen clinique, une anamnèse quasi policière. On va devoir évaluer les larmes, évaluer les paupières, l'état des bords palpébraux, bien sûr la kératométrie et prendre le temps de faire une bonne réfraction subjective exacte, la plus exacte que possible et bien sûr l'examen biomicroscopique avec un fond d'œil de préférence. La deuxième étape, c'est le diagnostic topographique. On fera donc, dans les meilleurs des cas, donc on associera une topographie placido et une topographie Hempflug. Sinon, une topographie donc spéculaire sera largement suffisante. Et pourquoi on va faire cette topographie? Afin de voir déjà le kératocone, voir sa position par rapport au sommet et à l'axe à l'axe visuel donc et la position du sommet du cône grâce aux cartes tangentielles et bien sûr donc voir aussi les cartes pliquimétriques. Donc, au bout de cette étape, on va classifier le kératocone. Généralement, on va utiliser la classification de Krumesch qui se base sur l'astigmatisme et sur la pachymétrie et qui va donc classifier le kératocone en 4 stades. Donc, maintenant, on va vraiment passer au choix de la première lentille d'essai. Donc, vous allez me dire, donc, par rapport aux matériaux, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Alors, en 2020, on parle plus de matériaux PMMA, on parle vraiment des lentilles rigides perméables au gaz. Donc, on parle des matériaux Z, du Boston XO, du Boston XO2 et du Premium, donc O2. Et ça, c'est impératif et il ne faudrait pas se laisser tenter parce que c'est un petit peu moins cher de passer une PMMA chez quand même un patient qui est kératoconique et qui a une cornée assez fragile. Alors, quelle est la géométrie qu'on va utiliser? Donc, est-ce que ça sera des rigides sphéro-asphériques, des multicourbes, des mini-sclérales, des sclérales? Est-ce qu'on fera un système piggyback? Eh ben, pour le stade 1 et 2 débutant, si on a un certain besoin esthétique, ça sera plutôt l'apanage des lentilles souples journalières, sphériques ou toriques, selon donc la
la réfraction qu'on a trouvée. Et bien sûr, on va y aller surtout vers les journalières, particulièrement chez des patients qui sont assez allergiques, pour éviter d'avoir donc des problèmes avec le produit ou bien la solution d'entretien. Si on n'a pas les journalières sous nos yeux, c'est pas grave. On prendra donc une silicone hydrogel avec des systèmes de préférence oxydants qui existent sous nos yeux, donc pour l'anti-souple. Si on a donc une amyotrophie associée, on va aller beaucoup plus vers les lentilles rigides, perméables au gaz ferro-asphérique, et l'adaptation sera assez simple. Donc, ça va se faire sur le cas le plus plat. Pour les stades 2 avancés, 3 et 3 avancés, c'est vraiment les lentilles rigides multicourbes spéciales kératocone. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, on va suivre les règles d'adaptation de chaque laboratoire. Mais généralement, ça s'adapte à peu près sur le cas moyen. Donc, on va prendre un petit exemple par rapport à l'adaptation d'un kératocone de stade 2 en lentilles rigides spéciales kératocone. Il faudrait savoir que presque tous les laboratoires qui adaptent les lentilles donc spéciales kératocone ont développé une seule à peu près géométrie standard qui est compatible à peu près avec 80% des cas afin de faciliter l'adaptation. Et généralement, ça se passe en 6 étapes. Et bien sûr, ils vont vous fournir donc des boîtes d'essai. Donc, maintenant, on va choisir le R0. Il y a une petite formule qui a été mise au point par Dr Mallet, qui est très efficace. C'est le R0 égale au cas moyen multiplié par 0,74 plus 2. Sinon, il y a aussi les logiciels d'adaptation comme l'EasyFit, par exemple pour Ménicon, comme pour celui de Biolins. Et bien sûr, chaque laboratoire donc va vous guider à peu près pour aller vers sa première lentille. Et bien sûr, il faudrait analyser l'image fluo selon la règle du triple appui de manière impérative donc en 2020. Alors, quand est-ce qu'on va analyser cette image fluo? On va l'analyser à la pause, après une heure et ensuite après quelques heures. Si on a beaucoup aussi de fluo, il faut savoir aussi éponger donc cette fluorescéine afin de ne pas fausser donc cette image fluo et la lecture de cette image fluo. Toujours centrer la lentille pour la lecture de l'image fluo en statique, quitte à donc la positionner avec des doigts. Après, on va voir le comportement de la lentille en dynamique avec et sans fluo et même après la dépose. Alors pourquoi aller après à la dépose? Parce que, en fait, on pourrait se retrouver avec une empreinte qui est complètement dessinée sur la cornée et là, ça signe carrément une adaptation serrée. Il faudrait éviter ce rayon-là ou bien cet édiglyphe-là. Donc, et on va voir ça tout à l'heure. Donc, la meilleure image fluo sera avec un appui central de 3 mm, un léger appui central, donc une légère bonde en moyenne périphérie de landing, et bien sûr l'edge lift, c'est le 1 mm final qui ne devrait pas être supérieur à 0,7 mm. Donc, cette analyse de cette image se fera toujours du centre vers la périphérie, jamais de la périphérie au centre. C'est très important. Des fois, on a un centre qui est excellent et la périphérie, plutôt le centre qui n'est pas bien, qui est un peu serré ou bien qui est un peu plat avec une périphérie parfaite. On se dit c'est bon pour la périphérie. Non, il faudrait savoir changer le R0, contrôler le centre. S'il est OK, là, on va analyser après l'edge lift. Donc, par exemple ici, donc pour cette image-là, on a donc une mauvaise adaptation assez plate avec carrément une lentille qui écrase complètement le cône et on pourrait imaginer donc une assiette sur un mont, donc sur un monticule qui va écraser complètement le cône. Donc, dès qu'on a cette image-là sur la tête, donc dans la tête, on ne pourra pas donc passer à côté d'une image plate. Là, on a une image assez serrée, donc, et on voit très bien qu'on a une flaque complètement emprisonnée à l'intérieur, avec des petites bulles carrément à l'intérieur, et une moyenne périphérie assez serrée et ventousée sur l'œil. Donc, aussi ici, on a une mauvaise adaptation, et ça se voit très très bien, donc, au niveau donc, de la flaque centrale. Ensuite, on va voir le contrôle du centrage. Maintenant, en dynamique, on doit s'assurer un bon recouvrement pupillaire. Et si on voit que la lentille se positionne trop bas, il faudrait savoir augmenter le diamètre ou bien aplatir le R0. Et s'il est un peu trop haut, il faudrait diminuer le diamètre et choisir plutôt un rayon plus serré afin de diminuer un peu donc le trapage par la paupière de cette lentille-là.
contrôler aussi la mobilité. Une mobilité idéale, elle est entre 1 et 1,5 mm. Il faudrait savoir dire au patient afin qu'il comprenne que, en fait, il est en train de voir avec son ménisque de larme que la lentille a besoin de ses larmes et qu'on a besoin de cette mobilité afin donc d'assurer une bonne sécrétion lacrymale suffisante sous la lentille et une bonne oxygénation de la cornée. Ensuite, on va bien demander donc si c'est confortable pour le patient ou pas. Si c'est pas confortable, il faudrait peut-être vérifier après l'edge lift. Avant l'edge lift, on va voir quand même le diamètre. On va vérifier un peu le diamètre. Et le diamètre, vraiment, il dépend de la taille du cône et de sa position. Par exemple, pour des nipple cones, on va choisir plutôt des petits diamètres, donc pour qu'ils se sentent très très bien avec avec le kératocone, et pour des cônes plutôt assez ovales et plutôt périphériques, on va choisir des diamètres un petit peu plus grands. En fin de compte, donc pour finir après le R0, on a vu le diamètre et maintenant c'est le edge lift, soit le dégagement périphérique, et bien sûr on va essayer donc d'approcher cette image donc optimale avec un edge lift presque parfait de 0,5, entre 0,5 et 0,7, c'est vraiment parfait. Et vous voyez très bien que dans les trois images, le centre, il est vraiment parfait, donc on est passé à l'edge lift. Ici on a un edge lift qui est très très assez large, et on pourrait deviner que cette lentille pourrait se décoller avec un risque de perte assez important. Ici quand même on a un serrage très très important et il faudrait savoir l'ouvrir. Donc après ces étapes là on va passer à la puissance, faire une suréffraction, bien sûr ajouter la valeur généralement en sphère à la puissance de la lentille d'essai et vérifier l'acuité visuelle du patient. Si le patient se sent bien, il faut rien changer. Si on a quand même un petit cylindre, on va le négliger, et sauf si on a vraiment une amélioration significative, parce qu'il faut toujours savoir que en lentille kératocone, si on va ajouter une petite tore en antérieur, on va peut-être déstabiliser cette lentille qui est déjà dans un équilibre plus ou moins précaire. Donc on va prendre un petit exemple, une puissance par exemple de lentille d'essai de -5, on va faire la suréfraction, on est à -4 et à 0,5 donc de cylindre, on a complètement négligé le 0,5 et bien sûr on a ramené la puissance de la lentille d'essai à l'apex de la cornée, et la puissance finale elle est de -8,75. Donc maintenant je vais aussi prendre un autre exemple d'adaptation d'un nipple cone, parce que c'est des cones qui sont assez spéciaux. Donc le nipple cone, c'est un petit diamètre pointu, central, paracentral, et d'où ça nécessite quand même une certaine géométrie assez particulière. C'est des lentilles qui ont plusieurs courbures, multicourbes, généralement quadricourbes, et qui se dégagent rapidement la périphérie, donc l'extrême périphérie. Et bien sûr, donc on va prendre un cas pratique, par exemple de cette jeune femme, c'est un cas réel, donc une jeune femme de 24 ans, elle était venue juste pour contrôler ses lunettes, et on a découvert chez elle un kératocone de stade 2-3, et de stade 2 donc sur l'œil gauche, stade 2-3 sur l'œil droit, et qui était évolutif sur un contrôle de 6 mois. Donc on a donc indiqué un cross-linking sur les deux yeux, ensuite on a donc indiqué une adaptation par lentille rigide spéciale kératocone, surtout que la patiente demandait donc une adaptation par lentille. Donc l'examen clinique post-cross-linking, on a une petite amélioration de l'acuité visuelle sur l'œil droit, l'œil gauche c'était presque le même, et la topographie après cross-linking donc nous a montré vraiment le nipple cone. Dans ce cas-là, donc on l'a adapté sur le cas moyen, on a essayé de l'approcher un peu avec les logiciels d'adaptation, et on a bien sûr donc choisi la méthode de lecture par le triple appui, mais c'est possible aussi par la méthode de la clairance apicale aussi, hein. La première lentille d'essai était de 7-20 pour l'œil droit de rayon, rayon central, et pour l'œil gauche c'était de 7-70, et voici les images qu'on a retrouvées. Alors les images qu'on a retrouvées ici, qu'en pensez-vous? Bon, je vais répondre puisque j'ai pas une question-réponse. Donc pour l'œil droit, on a un écrasement assez important donc du cône, et pour l'œil gauche, vraiment, on voit la flaque. On voit un edge lift qui est très serré, on voit une bande de la moyenne périphérique qui a un appui assez important, avec carrément donc une bulle qui est prisonnière sous la lentille. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait?
On a dû serrer l'œil droit de 0,2 mm et on a aplati l'œil gauche de 0,1 mm. Et on s'est retrouvé avec ces images-là. Bon, c'est pas très très net pour l'œil droit, mais l'image centrale, elle était correcte pour avec un edge lift qui était correct aussi, alors que pour l'œil gauche, on avait un edge lift quand même qui restait à presque 1,5, plus que 1,5 mm. Donc on a choisi dans ce cas-là de serrer de 0,5 pour l'œil gauche et on a gardé donc les paramètres pour l'œil droit. On a fait une surréfraction, on a corrigé en fonction de ça et on s'est retrouvé avec une lentille définitive en Rosca 2 malgré que c'était un Nippelcone. Hein, donc en Rosca 2 avec des rayons de 7, 7,60 et voici les lentilles définitives avec une acuité de 8 et de 10 dixièmes. Le deuxième cas clinique, c'était une patiente de 38 ans qui avait aucun antécédent, mais se savait avoir un kératocone diagnostiqué depuis 2 ans. Et bien sûr, elle était demandeuse de port de lentilles de contact, malgré qu'elle avait une acuité visuelle donc intéressante de 7 dixièmes. Donc, voici sa topographie. Là, sur les clichés tangentiels, on voit mieux, donc on cible mieux donc le sommet du cône. Et elle ne sait, donc on a choisi de commencer déjà avec une spéciale kératocone NC, donc afin de l'adapter, voici les images fluo. Ici, on avait presque une image parfaite de NC, donc c'est parce que c'est une nouvelle lentille quadricourbe. Donc, et bien sûr, on a suivi donc les règles d'adaptation de ce type de lentille quadricourbe. Et pour l'œil droit, on voit carrément ici donc l'aplatissement du cône au niveau donc périphérique. Donc la deuxième lentille d'essai, on a choisi donc de modifier que l'œil droit et on a serré carrément de 0,3 et on s'est retrouvé avec des lentilles donc avec ces images fluo qui étaient quasi parfaites. Après bien sûr donc une surréfraction, on est arrivé à 10 dixièmes bilatéral. Voici donc la lentille définitive. Alors si on se retrouve devant des dégénérescences marginales pellucides et des grands cônes périphériques, donc dans ce cas-là, on a plusieurs moyens, donc, mais généralement moi j'opte pour les lentilles sclérales ou les semi-sclérales, mais on pourrait proposer des lentilles piggyback ou bien des lentilles souples épaisses ou bien des lentilles hybrides, même si les résultats donc en acuité, les résultats optiques ne sont pas optimaux par rapport à la sclérale. Pour les adaptations sur anneaux, volontiers c'est les lentilles sclérales, puisque vraiment ça améliore les aberrations provoquées par les anneaux, et bien sûr c'est des lentilles qui sont assez confortables. Pour les adaptations sur greffe, c'est aussi les lentilles sclérales. Et je ne vais pas vraiment très m'attarder sur les lentilles sclérales parce que ça va être traité par Dr Mekki. Et bien sûr, pour les adaptations sur lentilles sclérales, en matière d'adaptation sur greffe, vraiment on a d'excellents résultats et ça a été prouvé par plusieurs études. Mais cela dit, étant dit, on pourrait proposer des cornées sclérales, des semi-sclérales, des lentilles à géométrie inversée, bon, plusieurs autres types. Donc, alors, comment adapter plus ou moins une lentille sclérale? Généralement, ça obéit aux mêmes règles, sauf que on a aussi une toricité sclérale qu'il faudrait savoir donc la reconnaître, l'évaluer afin de mieux proposer aux patients la meilleure lentille. Et bien sûr, c'est une adaptation qui se fera vraiment avec des bois d'essai et c'est une adaptation qui est assez chronophage. Faudrait aussi savoir, donc, de même après la commande, de revérifier tous les paramètres, de vérifier la lentille définitive sur l'œil du patient à J1, à J15 tous les mois et puis chaque 3 mois et à chaque fois que le besoin en a besoin. Et bien sûr, on a l'obligation, comme toute lentille, de faire un examen clinique minutieux, de faire les topos, donc et bien sûr d'avoir en tête qu'on a plusieurs profils cornéoscléraux qui pourraient un peu gêner donc certaines adaptations, mais heureusement c'est pas le cas de tout le monde. Donc savoir aussi présenter cette lentille qui est grande, qui fait peur un peu, hein, mais et leur dire que c'est une adaptation non douloureuse. Donc, et bien sûr, donc dédramatiser tout ça, leur montrer, et bien sûr, généralement, ça se passe très bien. Donc maintenant, je vais juste vous passer
quelques cas cliniques. Donc, voici, bon, pour les sclérales, c'est juste pour vous faire voir une bonne adaptation à l'antisclérale. Ce qu'il ne faut pas avoir, comme le blanching, comme l'écrasement, comme le bâillement sur le côté, comme par ici, ou bien avoir un vaulting central très, très important qui pourrait donner carrément une hypoxie de la cornée. Donc, je vais juste vous passer quelques cas pratiques. Donc, là, il s'agit d'un patient âgé de 28 ans qui était fort myope, qui était tout le temps sur les routes, qui était chauffeur, commercial en fait, et il a une PMD, une dégénérescence marginale pellucide sur l'œil gauche, et qui arrivait difficilement à un 20e. Il était avec correction, donc il était corrigé au départ par des lentilles rigides perméables au gaz, puis on a basculé vers des piggybacks, puis vers des cornéosclérales qui a mal toléré au bout du 8 mois. Et le bon œil, de l'autre côté, il a eu un décollement de rétine post-traumatique, ce qui lui a donné une acuité très faible et qui ne pouvait pas vraiment conduire avec un 3/10. Donc, on a essayé donc une lentille sclérale. Voici son essai, voici sa lentille et voici son acuité visuelle finale qui était de 8/10. Le deuxième patient, c'était une femme de 28 ans, aussi de dégénérescence marginale pellucide qui ne s'adaptait pas du tout avec aucune spéciale kératocone. Donc, il était à 1/10 et avec ses sclérales, on est arrivé à un 7/10 et un 6/10. Pour le troisième patient, c'était un adolescent. Il avait sur l'œil droit donc une greffe bilatérale, mais l'œil droit, ça marchait très bien. On avait un 5/10 sans correction. Alors que pour l'œil gauche, on avait des aberrations tellement importantes que même la vision binoculaire était atteinte. On a mis une sclérale. On est arrivé avec une acuité visuelle de 9/10 sur cet œil-là. Voici sa lentille sclérale. La quatrième patiente, elle était opérée de la ZIC en 2010, ectasiée en 2012. On a fait des anneaux en 2014. L'acuité restait très, très basse. Donc, à 1/10 avec aberration sur l'œil droit et un 3/10 sur l'œil gauche. Elle avait 25 ans, elle était étudiante et ça l'empêchait carrément de poursuivre ses études. On a opté pour des lentilles rigides, mais elle était complètement intolérante. On a mis des sclérales et elle est arrivée à 10/10 avec un confort très intéressant. Et maintenant, on a un recul au moins de 5 ans. Donc, voici donc ça l'antisclérale pour voir donc carrément donc son anneau ici. Bon, il s'agit là de la lentille sclérale d'essai, donc on a dû aplatir aussi le rayon central et bien sûr agir sur le landing de cette sclérale. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le kératocone, c'est une lentille rigide, perméable au gaz. Toujours, tout le temps, sauf exception. Faut systématiquement médicaliser la prise en charge en contactologie devant le nombre de complications et devant, bien sûr, le suivi impératif de ces patients-là. Ces lentilles rigides, quand même, ça nous rend un service énorme dans la réhabilitation de la vision des cornées irrégulières, qu'il soit avant greffe ou après greffe. Et bien sûr, pour les greffes, ça nous permet quand même de retarder la date de la greffe cornéenne et ça permet d'améliorer quand même la qualité de vie des patients, particulièrement pour les lentilles rigides sclérales. En attendant une thérapeutique quand même étiologique efficace, maintenant on parle de greffe de cellules souches, de nanodrop, peut-être dans quelques années, mais il y a des choses à laisser et qui ne sont pas pas mal du tout et on est tous en attente. Donc merci pour votre attention, merci pour tous et après je serai là pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour ce topo très clair et très documenté. Et donc, je passe la parole à notre ami Dr Mouattaz Billah Mekki d'Algérie pour nous parler, à proprement parler, des lentilles sclérales, même si tu as un petit peu parlé de ça. Donc, c'est Dr Mekki qui va développer. Bonjour tout le monde, ça va être comme
Merci François Kitani, merci pour les organisateurs. Je remercie le laboratoire Biolens de m'avoir invité pour participer dans ce webinaire sur le kératocone. Et je vais parler des lentilles sclérales, quand et comment. Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Je remercie mon collaborateur Mohamed Ozani qui m'a aidé dans la préparation de ce diaporama. Je représente localement certains fabricants de produits de lentilles sclérales. Et Mohamed Ozani, il prépare son PhD sur la contactologie. Il est à Montréal actuellement avec Angie Michaud, qui nous a visité trois fois l'année passée pour nous parler de l'orthokératologie et des lentilles sclérales. Donc, on a pu avoir, grâce à Mohamed Ozani, les derniers cours de l'International Association of Contact Lens Educators. C'est updaté au avril 2020. Donc, j'ai quelques planches de cette association. Je remercie les orateurs qui ont contribué à rédiger ce PowerPoint et il y a des règles pour ne pas que l'utilisation soit uniquement personnelle ou pour des raisons purement scientifiques. Donc, le sujet est clair. On va parler de lentilles sclérales dans le kératocone uniquement et essayer de répondre aux questions quand et comment. La lentille sclérale, c'est une lentille de contact rigide qui perméable à l'oxygène, qui ne touche pas la cornée et qui atterrit uniquement sur la sclère, sur la conjonctive. Donc, le diamètre, vous voyez qu'il n'intervient pas dans la définition. Il faut relativiser par rapport au diamètre horizontal visible de l'iris. Donc, on différencie une lentille cornéenne qui ne repose que sur la cornée d'une lentille cornéosclérale qui repose en partie sur la cornée et en partie sur la sclère, de la lentille sclérale qui ne repose que sur la sclère. Et le diamètre n'intervient bien. Ici, c'est une lentille rigide. Une lentille plus grande peut être cornéosclérale si elle touche la cornée. Donc, le diamètre n'intervient pas. Tout dépend du rapport de la lentille avec la surface oculaire. Dans une cornée très irrégulière, comme dans son kératoglobe, c'est vrai qu'on peut mettre une lentille rigide, c'est un peu difficile. Elle risque de tomber, on peut faire une greffe de cornée et on peut effacer cette irrégularité en mettant ce plastique qui va effacer les irrégularités, toutes ces ectasies cornéennes, peut-être corrigées avec lentille spirale. On va se focaliser uniquement sur le kératocone. Et souvent, bon, c'est vrai que les choses ont changé. On voyait souvent cet algorithme, contact lens, si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie, mais maintenant, c'est bien que avec la contactologie, on peut avoir d'autres solutions. En cas d'intolérance ou d'échec, est-ce qu'on a utilisé les bons matériaux? Est-ce qu'on a utilisé les lentilles sclérales? Et même après chirurgie, la contactologie est une solution et souvent dans ce cas, une lentille sclérale peut être une très bonne indication. La lentille sclérale ne touche pas la cornée ni le limbe. Voici une coupe théorique d'une lentille sclérale, comment ses relations avec la surface oculaire, elle n'atterrit qu'au niveau de la conjonctive bulbaire. Je vais être rapide. Donc, la lentille sclérale est définie par une zone optique centrale. La face antérieure peut être sphérique ou asphérique, elle peut être monofocale ou multifocale. Elle peut même contenir un astigmatisme un front torique pour corriger un astigmatisme interne résiduel. Et dans ce cas, il faut la stabiliser. On va voir comment on pourra la stabiliser. Sa face postérieure peut également être sphérique ou parfois elle peut être même torique pour uniformiser le ménisque d'eau que contient la lentille. Voici dans une coupe optique idéale à la lampe à fente les rapports entre la lentille sclérale, le réservoir d'eau sous la lentille et la cornée. On n'a pas besoin d'un OCT pour faire une belle adaptation. Et voici un kératocone avec un anneau, la lentille sclérale de grand diamètre qui couvre toute la surface oculaire. Quand on met la fluo, on voit bien que la lentille ne touche pas la cornée. Même le limbe, elle déborde. On a la fluo qui déborde environ 1 mm et ça, c'est une belle adaptation. La lentille sclérale doit respecter parfaitement sur 360 degrés toute la vascularisation conjonctivale, comme le montre cette photo. Et c'est vrai que cet idéal est parfois difficile à obtenir, donc il y a un compromis que parfois on doit accepter. Comme par exemple ici, on voit que la lentille sclérale sur le méridien vertical supérieur et inférieur, les vaisseaux de la conjonctive bulbaire sont très bien respectés, alors que sur le plan horizontal et surtout en temporal dans ce cas, il y a un blanchiment et un écrasement des vaisseaux de la conjonctive. Donc, on s'intéresse, quand on fait de la lentille sclérale, on s'intéresse à la géométrie. Donc, il y a cet appareil qui peut nous dessiner la surface oculaire sur une courte de 20 mm.
On a eu le privilège d'utiliser pendant quelques semaines. À l'époque, les fabricants ne pouvaient pas, à partir de ce moule optique, fabriquer une lentille sclérale. Mais de nos jours, c'est possible. On va voir par la suite. Voici une lentille qui est fabriquée par moule, par moulage de la surface oculaire. Et parfois, il faut trouver des solutions pour passer à travers une bulle de filtration saillante ou un pinguiculum. OK. Donc, il y a un regain sur les lentilles sclérales ces dernières années. Pourquoi? Parce que le déclin des matériaux s'améliore, parce qu'on arrive à fabriquer avec des tours des lentilles sclérales très personnalisées et la topographie du segmentaire s'améliore. L'OCT nous donne de meilleures informations sur le profil cornéosclérale. Et même l'image du simple look. Donc, quelqu'un qui a une pentacam, je recommande vivement de voir le représentant pour qu'il ait le logiciel CSP, Corneal Sclerosis Profile. Donc, toutes les pentacams actuelles peuvent bénéficier de ce logiciel pour, quand on fait une prise pentacam, on a toute la surface oculaire, la conjonctive bulbaire, supérieure, inférieure, nasale et temporale, et on a une idée sur la forme de la lentille sclérale. Et on voit que dans la majorité des cas, les sclères sont asymétriques, comme dans les trois derniers cas. Et on a des sclères sphériques uniquement dans 5,7% des cas. Souvent, l'asymétrie n'est pas parfaitement torique. Les deux méridiens ne sont pas parfaitement orthogonaux. On retrouve ça uniquement dans 40% des cas. Mais souvent, il y a une symétrie et il y a des hémiméridiens qui ne sont pas exactement sur la même ligne, comme dans cet exemple et cet exemple. Donc, voici une lentille sclérale souffliot qui est bien adaptée. Le DK, il est intéressant et il vaut mieux choisir un DK supérieur à 125. On a le DK de la Menicon Z de 163 et le nouveau DK de Contamag qui a 200. Et il y a une relation entre le DK et l'épaisseur de lentille sclérale, on va voir par la suite. Une nouvelle terminologie, le Scleral Lens Association Society aimerait uniformiser la terminologie, ne pas utiliser le terme d'insertion de lentille sclérale, mais d'application de lentille sclérale, ne pas utiliser le terme de sclère torique, mais sclère asymétrique, et on ne distingue plus la différence entre mini-sclérale ou large sclérale. Donc, c'est une lentille qui épouse la sclère, qu'elle soit petite ou grande, elle est toujours dans tous les cas sclérale. On prescrit de plus en plus des lentilles sclérales de petit diamètre, entre 15 et 17 mm. Et la lentille sclérale, comme je l'ai dit, elle repose uniquement sur la conjonctive bulbaire. Il faut savoir que la clearance sous lentille sclérale idéale devrait être de 200 à 400 microns. Et pour cela, il faut juste prendre comme repère l'épaisseur de la lentille sclérale qui est dans la majorité des cas pour des puissances standards entre 250 et 300 microns. Il faut juste demander au fabricant la lentille sclérale de la boîte d'essai pour comparer l'épaisseur du réservoir des lames à la lampe à fente avec l'épaisseur de la lentille sclérale. Aussi, il faut savoir que la lentille sclérale, lorsqu'on la place, avec le temps, après 8 heures, ici, la clearance était de 250 microns. Après 8 heures, il y a la lentille sclérale plonge dans la conjonctive qui est spongieuse et la clearance diminue de 250 à 150 microns. On dit qu'en fin de journée, on perd environ 100 à 150 microns de la clearance initiale. Donc, il faut prendre ça en considération lorsqu'on adapte une lentille sclérale. Oui. Ici, c'est important parce qu'on voit. Pardon. On voit que pour le DK, plus le DK est important, plus on peut avoir des lentilles sclérales assez épaisses. Donc, ici, c'est des lentilles sclérales impossibles avec des épaisseurs négatives. Donc, c'est impossible à réaliser. Et on voit que généralement, la lentille sclérale a une épaisseur entre 300 et 250 microns. Plus le DK est important, plus on peut augmenter l'épaisseur de la lentille. Tant mieux, une lentille trop fine va casser rapidement. Okay. La lentille doit respecter, comme je vous l'ai dit, la revascularisation conjonctivale NMD. Je vais essayer de passer rapidement.
OK. Donc, pour répondre à la question, la deuxième, comment adapter, quand adapter une lentille sclérale? La lentille sclérale, on l'adapte généralement dans les cornées très irrégulières. Et pour savoir une cornée très irrégulière, il suffit d'un examen à la lampe à fente pour savoir qu'il y a une lentille très irrégulière. Une lentille qui a été opérée, une cornée, un kératocone qui a été opéré par greffe de cornée ou par anneau devient certainement encore plus irrégulier si la greffe ou l'anneau n'ont pas réglé le problème. Et dans ce cas, il vaut mieux, pour gagner du temps, c'est beaucoup plus simple, paradoxalement, d'adapter une lentille irrégulière avec, un kératocone irrégulier avec une lentille sclérale qu'avec une lentille rigide perméable à l'oxygène. Aussi, on peut adapter une lentille sclérale lorsque la solution piggyback pour améliorer le confort ne marche pas. Lorsque la solution hybride aussi ne fonctionne pas, une lentille sclérale est très confortable et facile à adapter en cas de cornée très irrégulière. Donc, une chose importante que j'aimerais partager avec vous, c'est que si on dispose d'une topographie, quand vous avez une différence dans la carte d'élévation entre l'hémiméridien le plus plat et l'hémiméridien le plus compris, qui est supérieur à 400 microns, il vaut mieux passer rapidement en lentille sclérale, ne pas essayer de perdre de temps pour adapter une lentille rigide gaz perméable. La cornée est très irrégulière pour qu'une lentille rigide perméable à l'oxygène purement cornéenne puisse être stable sur une telle cornée. Donc, retenez ce chiffre. Si en topographie d'élévation, on a une différence de plus de 400 microns entre deux points, le plus élevé et le plus plat de la cornée, passer directement en lentille sclérale. Ce conseil résume tout. Hein. Il résume la question quand adapter une lentille sclérale. Donc, on peut adapter une lentille sclérale lorsqu'on a une cornée très irrégulière. Si on veut être mathématicien, une cornée très irrégulière se définit par une cornée qui, dans la topographie d'élévation, retrouve une différence de plus de 400 microns entre le point le plus culminant et le point le plus plat de la lentille. Les autres indications, c'est pour améliorer le confort. La lentille sclérale est très confortable. Dans les études, le score de confort comme une lentille souple. Donc, pour répondre à la deuxième question, quand doit-on adapter une lentille sclérale si le patient n'est pas confortable avec une lentille rigide cornéenne, même si sa cornée n'est pas très irrégulière? OK. Autre indication, quand adapter une lentille sclérale lorsqu'on a un syndrome 3h-9h avec sous lentille rigide cornéenne? Donc, la lentille sclérale, puisqu'elle épouse toute la cornée, elle couvre toute la cornée, avec une lentille sclérale, le syndrome 3h-9h ne se pose pas du tout. La lentille sclérale ne bouge pas beaucoup, donc elle est très confortable. Si on voit les publications sur PubMed, c'est le nombre de publications avant 2013, et comment les publications explosent ces dernières années, tout le monde parle de lentille sclérale, même le nombre de fabricants augmente beaucoup. Répondre donc à la deuxième question, comment adapter une lentille sclérale? Je pourrais donner rapidement la solution. On peut adapter une lentille sclérale de trois manières, soit de manière empirique, je pense que c'est la façon la plus simple, donc on l'apprend rapidement au bout de la dixième adaptation, on est autonome, soit en s'aidant des matériaux, de l'OCT, de la pentacam, on va voir par la suite. Donc, pour adapter une lentille sclérale, il suffit juste de voir le profil de la cornée, comme ici, un kératocone stade 4. On estime à peu près la protrusion et on met une lentille sclérale qui va s'adapter sur cette cornée. Ici, c'est une greffe irrégulière sur un kératocone. On met la lentille qui va couvrir cette greffe et toute la cornée. Sans toucher la cornée, on examine à la fente, on vérifie que la lentille est parfaitement adaptée, qu'il y a toujours l'espace. Si cette lentille DCL fait 300 microns, on est presque à 300 microns de réservoir. Il vaut mieux prendre l'épaisseur de la lentille sclérale comme repère et non pas la cornée. Si c'est une cornée pathologique, son épaisseur varie selon le cas. Donc, je continue avec cette vidéo. Une greffe protruse, très protruse, et qui est
qui est paradoxalement plate au centre et on voit très bien le genou. Enfin, pardon. Pardon. Okay. On voit ici le genou, donc ici c'est plat, ici c'est très aigu. Donc on adapte en antiscal. Un anneau qui est sur une kératocone, donc l'anneau généralement il aplatit le centre, mais il induit une élévation là où il est mis. Voici comment on place une antiscale. On peut la placer avec les doigts ou avec une ventouse. On met de l'affluent, on voit qu'il y a un appui important ici au centre. Donc, on doit augmenter le volt pour surpasser cette partie qui est protruse. Et ici, il y a toujours un petit touch. Et en faisant une coupe, on est sûr que la lentille ne touche plus la cornée. On vérifie à la fente. Et quand on voit la fente ici, avec l'affluent, on voit bien le réservoir qui est coloré en jaune. La lentille sclérale doit dépasser, l'affluent doit dépasser 1 mm le lame de part et d'autre. Et cette vidéo était sur une cornée sphérique, un réservoir sphérique. Ça, c'est une PMD. Et la PMD, c'est une très belle indication de la lentille sclérale. Donc, la majorité des PMD, la différence entre le méridien le plus haut et le plus bas est supérieure à 400 microns. Ça, c'est une patiente avec une mégalocornée. Elle est enseignante. Elle a accepté de se faire filmer. Regardez le degré de protrusion de sa cornée. Elle est enseignante. C'est une mégalocornée. Et grâce à l'antisclérale, elle peut continuer à travailler et enseigner ses élèves. Pour le retrait, une ventouse, généralement, il ne faut pas aller prendre la lentille du centre, mais faire une angulation pour laisser l'air passer. L'autre façon d'adapter, c'est en s'aidant de la Pentacam, et je vous dis que le logiciel CSP est très intéressant pour avoir une idée sur la topographie sclérale de toute la surface écornéenne. Donc, il faut juste respecter les recommandations du fabricant et je pense, même si cette lentille, c'est la lentille Zalmens, mais je pense que chaque fabricant pourrait utiliser la Pentacam et avoir une idée sur comment adapter la lentille sclérale. La prise est un peu difficile parce qu'il faudra prendre au centre, ça c'est la Pentacam, hein, le centre, ensuite en nasal, en temporal, en supérieur et en inférieur. Et après, avec ce logiciel CSP, on a quasiment ici presque 16 mm de diamètre horizontal sur 16 mm de diamètre vertical. On a une idée assez claire sur l'anatomie de la sclère. Ensuite, ça devient très facile parce qu'il suffit juste de respecter les règles pour trouver une lentille. Et je vous dis que c'est très prédictible. Donc, c'est intéressant surtout lorsqu'on délègue l'adaptation à un assistant. Donc, on fait la Pentacam, on a les valeurs et on peut recommander la lentille d'essai. Parfois, même sans voir le patient, ensuite, on vérifie à la patiente si la lentille a été bien choisie. Donc ça, c'est la deuxième manière d'adapter en utilisant le CSP. Donc, on a vu la première manière empirique. Je pense qu'elle est la plus simple, la plus facile. Je vous dis, au bout de 10 adaptations, on est maître. La deuxième façon, c'est en s'aidant du logiciel CSP de la Pentacam. La troisième méthode, c'est le rayon de courbure, mais c'est une méthode ancienne qui n'est plus utilisée. Donc, à partir du rayon de courbure central, on extrapole sur toute la cornée, toute la sclère. Donc, je vais passer rapidement parce que c'était ancien, on n'avait que ça à l'époque, on n'avait qu'un kératomètre et on essayait à partir de 3 mm passer à 20 mm. La dernière méthode, c'est à partir de la sagittal height méthode. Et ici, on a besoin juste d'un topographe.
Et on sait que le topographe cornéen, il va nous donner une idée sur les 8000 mètres centraux. Mais on sait bien que, je vais essayer de passer rapidement, on sait bien que entre 10 mm et au-dessous, il n'y a pas un très grand changement, et quel que soit l'œil et quelle que soit la pathologie. Et donc, si on a une idée assez nette sur l'élévation centrale, on peut extrapoler pour passer rapidement et avoir une idée sur les 15 mm, une corde de 15 mm. Ça, c'est intéressant. Tous les topographes le font, même le piccolo, le petit topographe de Kératran. C'est un topographe spéculaire. Son logiciel est assez performant pour nous donner une extrapolation purement mathématique sur l'élévation. Et à partir de l'élévation, on peut ajouter, je vais vous expliquer rapidement. On ajoute 2000 microns, c'est-à-dire on définit une corde de 10 mm sur notre topographie. Il nous donne la hauteur sagittale de la cornée sur une corde de 10 mm et on ajoute toujours 2000 microns, deux autres millimètres, et on a une idée sur la hauteur cornéosclérale sur une corde de 15 mm. Comme dans cet exemple, on a une hauteur de 2100 sur une corde de 10 mm, on ajoute 1900, mais on sait de l'OCT, mais on peut ajouter 2000 microns, et on a la hauteur totale. Ensuite, il faut juste ajouter 300 microns pour trouver la hauteur idéale d'une lentille sclérale. Donc, je vous ai donné les trois méthodes comment on adapte une lentille sclérale. Et pour finir rapidement, on va voir des cas cliniques de cornée irrégulière sur lentille sclérale. OK. L'autre indication, en dehors de la forme de la cornée et de l'état de la surface oculaire, c'est l'environnement poussiéreux et les métiers poussiéreux. Les métiers où il y a beaucoup de poussière, on peut adapter les patients avec une lentille sclérale. Lorsqu'il y a une maladie de la surface oculaire, on adopte une lentille sclérale. Une indication très intéressante, c'est la kératoconjonctivite vernale. Souvent, sous notion, on a des kératoconjonctivites vernales avec des kératocones ou pseudo-kératocones, parfois vascularisés, donc ils sont très bien adaptés avec une lentille sclérale. La lentille sclérale, sa zone optique reste stable quel que soit le degré de protrusion, contrairement à une lentille rigide gaz perméable. Ça facilite le suivi du kératocone. Il suffit que le patient enlève sa lentille ce soir et il vient le lendemain pour faire une topographie. Et elle est assez fiable, pas comme dans l'entille rigide, on a un OEPH qui peut rester plusieurs mois. La lentille sclérale ne bouge pas, donc on a fait juste des exemples. Ici, le patient apporte des lentilles rigides et lorsqu'il cligne, les aberrations optiques augmentent à l'aberromètre alors qu'elles sont stables. Même lorsqu'il cligne, la lentille ne bouge pas. Donc, les indications, kératocone stade 4, donc ce n'est plus une greffe de cornée, d'abord c'est une lentille sclérale. La PMD, c'est une indication par excellence d'une lentille sclérale. Le kératoglobe aussi, c'est une indication d'une lentille sclérale. L'hydrops après suture, juste après une semaine après la suture, après éclaircissement de la cornée, on peut mettre une lentille sclérale. On a des résultats spectaculaires sur l'acuité visuelle. La mégalocornée avec un globus, dans une lentille sclérale. Donc, une cornée irrégulière, oui, une greffe irrégulière, c'est une très bonne indication d'une lentille sclérale et échec d'anneau cornéen. Dernier cas, c'est un patient avec kératocone qui a bénéficié d'une greffe d'un artisan torique. Et quand on a mis la lentille, il n'était pas satisfait. Quand on a mis la lentille sclérale, on était frappé par un cylindre résiduel de 5 dioptries. Oui, le 5 dioptries représente le tore qu'il a à l'intérieur de son œil, qui est l'artisan. Et ce patient ne voulait pas s'explanter, ne voulait pas explanter son artisan. Donc, pour garder l'artisan, il a suffi juste de stabiliser sa lentille avec un appui torique. Et on a demandé au fabricant de nous dessiner une lentille sclérale
dans la face antérieure contient ces 5 dioptries de cylindre. Et regardez, lorsqu'on tourne la lentille sclérale, voici le repère. C'est une lentille dont l'appui est torique et dont la surface antérieure est torique. Regardez la stabilité de la lentille. Donc, merci beaucoup. J'ai fini. Je remercie mon ami Mohamed qui m'a donné quelques slides que j'ai utilisés. Et je remercie mes amis et mes associés à Evelyn Hayfield Center et à Clinique d'affaires. Merci beaucoup. Merci, Dr Mouki, pour cette brillante présentation à propos des lentilles sclérales. On voit vraiment qu'elles n'ont aucun secret pour toi. Donc, j'espère que tu as convaincu plusieurs parmi nous et je suis sûre que c'est le cas. En tout cas, c'est un moyen extraordinaire de deuxième intention et c'est une arme extraordinaire en matière de kératocone. Donc, je pense qu'on va passer maintenant à des cas particuliers qui va être traité par Hasna Lamari. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Esme. Merci beaucoup, Dr Moïtsez, pour cette très belle présentation sur les lentilles sclérales. Alors, moi aussi, je vais parler un petit peu des lentilles sclérales. On va parler des cas particuliers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cas particuliers difficiles? Ce sont les dégénérescences marginales pellucides, les adaptations post-kératoplastie et post-ano, et les enfants. Alors, actuellement, on dispose d'une grande gamme de lentilles de contact. Donc, en principe, on peut adapter pratiquement toutes les cornées. Et dans l'introduction, j'ai dit que pour l'adaptation des kératocones, la topographie n'est pas indispensable. Mais pour ces cas-là, la topographie est nécessaire et il n'y a pas de règle d'adaptation. On va se baser sur la kératométrie et sur l'image fluo donnée par la lentille d'essai. Les étapes d'adaptation, ce sont les étapes habituelles qu'on connaît très bien. On fait un bilan pré-adaptation avec l'examen, l'étude du film lacrymal, la topographie, etc. On choisit la première lentille d'essai en fonction de la kératométrie. Parfois, on a des recommandations des fabricants, parfois pas. Et c'est une adaptation au cas par cas, il n'y a pas de modélisation. Donc, on va adapter en fonction du comportement de la lentille sur la cornée. À partir de là, on va choisir la lentille définitive, la suréfraction avec la lentille en place et bien entendu, instituer une surveillance, comme on a parlé, Nedia. Alors, on va commencer par la dégénérescence marginale pellucide. C'est quoi la dégénérescence marginale pellucide? C'est une dégénérescence cornéenne inflammatoire qui est caractérisée par une bande d'amincissement cornéen étendue en inférieur et qui est surmontée par une zone d'ectasie cornéenne. Cette bande d'amincissement est séparée du limbe par une zone marginale de 1 à 2 mm claire, avasculaire, avec un épithélium intact. Alors, sur le plan clinique, elle débute tardivement. C'est pour ça que quand on fait le diagnostic d'une dégénérescence marginale pellucide, il faut faire un cross-linking, même si c'est un patient qui est âgé de plus de 30 ans. Le diagnostic est souvent tardif parce que comme c'est périphérique, la zone optique est tardivement touchée. Elle donne un astigmatisme évolutif comme le kératocone, une myopie en général un peu moins importante et elle est souvent bilatérale et assez asymétrique. Donc voici l'aspect typique d'une dégénérescence marginale pellucide avec l'aspect en pince de crabe. Alors, ça pose quel problème en contactologie? On a une cornée qui est très plate dans la moitié supérieure et qui est par contre très bombée en inférieur. Et on a une ectasie large, très périphérique. Et comme la baisse d'acuité visuelle est tardive, très souvent, les cas qui nécessitent une adaptation sont des stades très avancés. Alors, quelle lentille on peut proposer? Dans les stades, si on a la chance de faire le diagnostic à un stade un peu avancé, on va proposer essentiellement des lentilles de grand diamètre, 11 ou 11,5 mm à dégagement multiple, et on va se baser sur le rayon le plus plat. Il n'y a pas de règle d'adaptation, et on voit que la lentille est souvent un petit peu décentrée vers le bas. On voit que la lentille baille en bas parce que l'ectasie est importante en bas et qu'elle est pratiquement sur la paupière. Et le choix, on va modifier les paramètres en fonction de l'image fluo. Parfois, on peut demander aux fabricants de serrer les dégagements périphériques. Il n'y a pas d'image fluo idéale qu'on peut obtenir comme pour un kératocone. On va choisir la lentille la plus stable et la lentille qui n'a pas un appui trop important sur le sommet du cône. Et parfois, on n'arrive pas à adapter avec des lentilles rigides. À ce moment-là, on va passer aux lentilles sclérales. Mais même les lentilles sclérales,
Il faut qu'il n'y ait pas de contact avec l'ectasie inférieure. Mais même avec les lentilles sclérales, parfois c'est difficile de trouver. Comme par exemple la photo du haut, on voit qu'il y a un petit contact avec la lentille sclérale. Parfois c'est difficile de trouver la lentille sclérale qui convient. Et comme l'a dit Dr Bouquet, parfois on peut avoir recours à un moulage de la cornée. En cas d'échec, on peut faire une lentille par moulage. Parfois on peut faire un piggyback, une lentille souple épaisse ou des lentilles hybrides. Et si on n'arrive pas à adapter en lentille de contact, et si la cornée est suffisamment claire, à ce moment-là, on passe aux anneaux intracornéens. Et les anneaux intracornéens sur les dégénérescences marginales pituitaires donnent d'excellents résultats. On a très souvent une acuité visuelle supérieure à 7 dixièmes dans la moitié sans lunettes. Alors le deuxième cas difficile, ce sont les post-greffes de cornée. Les indications des greffes totales actuellement sont de plus en plus sont de moins en moins nombreuses. On fait de plus en plus de greffes lamellaires. Les principales indications avant c'était les dystrophies cornéennes œdémateuses post-cataracte avec les implants chambre antérieure. Heureusement avec l'avènement de la phaco, ça a un petit peu régressé. C'est essentiellement le kératocone, les traumatismes et certaines dystrophies cornéennes héréditaires. Alors quel est le problème des cornées greffées? Ce sont des cornées d'abord qui sont précieuse parce que le patient a, en général, c'est un œil qui a commencé à bien voir et c'est des cornées qui sont fragiles, donc qu'il faut préserver au maximum. Il s'accompagne souvent d'un astigmatisme irrégulier et important. Et puis, du fait des points de suture, la cornée greffée est plate au centre et la cornée receveuse est plus cambrée. Donc là, on passe à une cornée qui est oblate. En plus de ça, très souvent, l'épaisseur de la lentille receveuse et de la lentille greffée sont différentes et parfois on peut avoir une zone de jonction qui bombe un petit peu vers l'avant, ce qui va créer une zone de conflit avec la lentille. Alors, quand est-ce qu'il faut adapter? Il n'y a pas de consensus. En principe, on peut adapter 3 à 6 mois après la greffe, parfois plus pour certains auteurs. L'ablation des sutures n'est pas obligatoire, mais il faut enlever toutes les sutures lâches. En principe, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de risque pour la greffe de cornée si l'adaptation est bien faite et si on utilise des lentilles à très haut déca. Alors là aussi, la topographie est importante parce que la kératométrie centrale est insuffisante parce qu'on a une différence là aussi de kératométrie entre le centre de la lentille et de la cornée et la périphérie. La topographie va nous donner la forme du greffon, sa taille, le décentrement. Il va nous montrer la zone de jonction, il va nous montrer la forme de la cornée receveuse, l'axe et la puissance de l'astigmatisme. Et parfois, on peut avoir recours à l'OCT pour voir l'étude de la zone de jonction. Le logiciel d'adaptation est également d'un bon apport pour ces patients. Alors, quelle lentille? Bien sûr, ça doit être une lentille rigide, perméable au gaz ou torique à très fort déca. On n'utilise pratiquement plus de petits diamètres pour les greffes de cornée. Ce sont des lentilles dont le diamètre va varier entre 9,5 et 11 mm. Si la cornée est prolate, ce qui est relativement pas très fréquent pour les cornées greffées, on va utiliser des lentilles pour kératocone. Sinon, on va utiliser des lentilles spéciales pour les cornées greffées. Ce sont des lentilles à dégagement plat, c'est à dégagement inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plus serré en périphérie qu'au centre. En cas d'asymétrie importante avec dégagement inférieur trop marqué, on peut demander aux fabricants de nous faire des lentilles à dégagement asymétrique. La première lentille d'essai va être en fonction de la kératométrie moyenne, selon les recommandations du fabricant, si c'est une boîte spéciale pour les lentilles greffées. Et puis, on va progresser en fonction du comportement de la lentille sur la cornée. Alors, l'image fluo satisfaisante est différente de l'image fluo qu'on va obtenir avec un kératocone. Là, on va obtenir, du fait de l'aplatissement central de la cornée, on va avoir un lac de fluo central qui est important. Et contrairement à au kératocone où on a la zone d'appui, c'est le sommet du cône, là, la zone d'appui, ça va être la zone de jonction. Et il ne faut pas que ça soit trop important. Et il faut avoir un dégagement périphérique correct de 1 à 2 mm. Donc, si la cornée est trop plate, elle va frotter sur le greffon avec risque d'ulcère et de rejet. Et si elle est trop serrée, ça va donner une bulle d'air, pas de circulation des larmes, ce qui va être à l'origine d'inconfort et d'hypoxie cornéenne, qui expose également un risque pour le greffon.
Il faut avoir une motilité suffisante pour assurer le renouvellement du film lacrymal avec un bon confort pour le patient. Si la lentille est trop mobile, il faut augmenter le diamètre, serrer le rayon ou le dégagement. Si elle est trop figée, trop peu mobile, il faut diminuer le diamètre, aplatir le rayon ou aplatir les dégagements. Sinon, on passe aux lentilles sclérales et je ne vais pas répéter les règles d'adaptation dont a largement parlé mon ami Mathias Villa. En cas d'échec, on peut passer au piggyback ou aux lentilles hybrides ou aux lentilles souples de forte épaisseur. Mais comme l'a dit Dr. Mouki, les lentilles sclérales, en général, sont les meilleures pour l'adaptation de ce type de patient. Alors, l'adaptation sur anneaux intracornéens. Les anneaux intracornéens, ce sont des anneaux qui sont placés dans l'épaisseur de la cornée pour améliorer l'acuité visuelle des kératocones. C'est une technique qui est facile, réversible, qui donne un aplatissement cornéen qui, même s'il n'améliore pas l'acuité visuelle, va à réduire les aberrations optiques et les patients sont en général satisfaits après des anneaux intracornéens. Et il va donner un aplatissement central d'autant plus important que l'anneau est petit et épais, avec un bombement du méridien le plus bas, ce qui va créer une nouvelle zone optique centrée sur la pupille, moins cambrée et plus régulière, ce qui va redistribuer les contraintes mécaniques sur la cornée et selon certains auteurs, ça va favoriser la stabilisation du kératocone. Alors, quelles sont les conséquences de ces anneaux intracornéens en contactologie? D'abord, ils régularisent la surface cornéenne, ce qui va faciliter un petit peu l'adaptation. Ils donnent un aplatissement central et de ce fait, on peut parfois utiliser des lentilles souples torées qui sont mieux tolérées et parfois, ça va améliorer la tolérance aux lentilles rigides. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est des patients qui sont très allergiques et c'est que c'est des patients qui ont recours aux anneaux intracornéens parce que justement, ils sont intolérants aux lentilles de contact, donc en particulier aux lentilles rigides. Donc ça demande beaucoup de psychologie, beaucoup de patience avec ces patients. Et en principe, des anneaux intracornéens bien placés ne donnent pas de conflit de surface. Quand est-ce qu'il faut les placer? Il n'y a pas de consensus. 2 à 3 mois après la mise en place des anneaux, on va les mettre quand on a une amyotrophie sphérique importante, quand le résultat sur l'acuité visuelle n'est pas satisfaisant, lorsque on a un astigmatisme régulier qui persiste, lorsque l'autre œil est adapté en lentille de contact et qu'on a fait les anneaux sur un seul œil, et lorsque c'est un patient qui ne veut pas mettre de lunettes. Alors, avant d'adapter, il faut examiner la cornée. Bien sûr, faire une topographie et un OCT qui vont nous permettre de vérifier la situation des anneaux dans l'épaisseur de la cornée. Et là, vous avez un anneau qui est bien placé. Et on voit très bien qu'il est placé au niveau du tiers postérieur de la cornée. Par conséquent, il n'y a pas de modification de la surface, donc pas de conflit de surface avec la lentille. On va vérifier la réfraction objective et subjective. Si l'acuité visuelle en lunettes est supérieure à 5 dixièmes, on peut se contenter des lunettes. Et bien sûr, comme pour le kératocone, il faut prendre son temps pour la réfraction. La lentille choisie va dépendre de la métropie sphérique, du cylindre. Est-ce que l'astigmatisme est régulier? Est-ce que l'astigmatisme est irrégulier? La forme du cône et les signes associés? Est-ce qu'il y a une sécheresse? Est-ce qu'il y a une allergie associée? Alors, comme c'est un patient qui est intolérant aux lentilles de contact, on préfère chez ces patients commencer peut-être par des lentilles souples sphériques si l'astigmatisme est inférieur à 0,75. Et en cas d'astigmatisme résiduel plus important, à ce moment-là, on peut proposer des lentilles souples toriques ou bien des lentilles souples toriques de forte épaisseur. Et si on n'arrive pas à l'adapter avec des lentilles souples, à ce moment-là, on passera aux lentilles rigides perméables au gaz. L'adaptation va se baser sur le rayon le plus plat. Et le rayon de courbure est souvent plus plat que le rayon le plus plat, le rayon avec lequel on va adapter le patient. La présence d'anneaux n'agit pas sur le centrage de la cornée et on va se baser sur l'image fluo. Alors pour terminer, je vais parler de l'adaptation des enfants. Pour les enfants, les indications sont strictement médicales. C'est l'anisométropie, les fortes amyotropies, le kératocone. La faquille est heureusement de plus en plus rare, sauf les cataractes post-traumatiques, les astigmatismes irréguliers, certains strabismes accommodatifs et l'orthokératologie pour le freinage de la myopie. Les indications non médicales doivent être discutées avec les parents, pratiques de sport à visée esthétique. Et moi, je pense que les lentilles cosmétiques chez les enfants sont à proscrire. Le bilan pré-adaptation, là, l'interrogatoire
est un peu plus difficile parce que quand on prend en charge les enfants, il faut convaincre les parents et l'enfant. Donc c'est une discussion ouverte avec les parents et l'enfant. Il faut évaluer le profil psychologique des parents et de l'enfant, leur niveau d'instruction. Et puis s'ils sont eux demandeurs de lentilles, il faut comprendre leur motivation. Il faut prendre le temps de leur expliquer si c'est nous qui voulons prescrire à l'enfant des lentilles de contact. Il faut leur expliquer l'intérêt des lentilles qui est d'abord médical et la gravité, les risques d'utilisation des lentilles esthétiques quand c'est eux qui demandent. Et toujours, la lentille de première intention, c'est la lentille rigide perméable au gaz et pas la lentille jetable mensuelle. L'adaptation à lentille rigide est identique à celle de l'adulte. On va utiliser des lentilles de préférence à très haut déca. Et pour les enfants de moins de 10 ans et les hypermétropes, il faut faire une surréfraction avec des cycloplégiques. En seconde intention, chez des enfants plus grands, on peut recourir, personnellement, je prescris ça essentiellement quand c'est des aliso myopiques, qu'on n'arrive pas à adapter ou qui refusent le port de lentilles rigides, on peut proposer des lentilles souples en silico-hydrogène, avec de préférence des lentilles à renouvellement journalier. Alors dans tous les cas, il faut expliquer, réexpliquer, faire répéter par les parents les règles d'hygiène. Il faut apprendre aux parents et à l'enfant la manipulation des lentilles. La pose des lentilles se fera par les parents pour les enfants de moins de 7 ans, par l'enfant à partir de 7 ans, toujours sous contrôle parental. Et dans tous les cas, il faut avertir l'enseignant à l'école. Et l'enfant doit toujours avoir une petite trousse avec l'étui de lentilles, le produit d'entretien et si possible une paire de lunettes. Alors le mode de port idéal, c'est le port journalier, quel que soit le type de la lentille. On peut toutefois proposer pour les bébés, pour les tout-petits de moins de 5 ans, un port prolongé, mais uniquement avec des lentilles rigides perméables au gaz. On va retirer les lentilles une fois par semaine et c'est strictement contre-indiqué de faire un port prolongé avec des lentilles souples, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Alors pour les enfants, l'adaptation est un geste médical, encore plus c'est l'adaptation en général, c'est un geste médical, mais pour l'enfant c'est un geste exclusivement médical. Le bilan pré-adaptation doit être précis, il faut évaluer les motivations des parents et de l'enfant, il faut un bon examen ophtalmologique et une étude précise de la réfraction aidée si possible par une topographie cornéenne. Le premier choix, c'est les lentilles rigides gaz perméables et savoir dire non aux parents s'ils sont demandeurs, si la raison vous semble déraisonnable. Expliquer, faire répéter aux parents et à l'enfant le mode de manipulation et d'entretien des lentilles. Expliquer les risques et les complications liées au port de lentilles. Informer sur les circonstances qui interdisent le port des lentilles et qui imposent une consultation rapidement, comme les sécrétions, l'œil rouge, etc. Imposer un rythme de surveillance et établir avec les parents le calendrier des examens de contrôle. Donc pour conclure, l'adaptation des cas particuliers est relativement peu fréquente. Elle nécessite quand même des contactologues qui sont assez entraînés. La topographie est indispensable dans ces cas particuliers. Il faut faire très attention en post-greffe parce qu'il faut, garder au maximum une cornée greffée transparente. Il n'y a pas de modélisation, c'est au cas par cas et on va prescrire au patient la lentille qui lui assure la meilleure acuité visuelle sans être trop mobile et sans avoir un effet secondaire sur la cornée. Et l'adaptation des enfants doit être une adaptation en étroite collaboration avec les parents et essentiellement médicale et avec des lentilles rigides perméables au gaz. Et merci pour votre attention. Merci Hesna. Toujours des documentations sympathiques et rigolotes, comme d'habitude. Merci pour donc ces cas particuliers qui sont en général particulièrement difficiles et donc pour les contactologues avertis, mais qui ouvrent en tout cas le champ à la correction contacto pour même des situations où on pense que c'est pas possible ou que c'est difficile. Donc c'est toujours il y a énormément de possibilités en contactologie effectivement, comme tu l'as si bien illustré. Donc on passe à notre dernière intervention. Je passe la parole à professeur Benhedou Rajet. Donc bonjour Rajet. Ça me fait plaisir de te revoir. Et je te passe la parole pour nous parler de l'entretien et des complications. Thank you.
D'accord. Merci Hassna. Merci de m'avoir associé à ce beau panel en cette matinée de dimanche pour parler de la contactologie et plus particulièrement de l'entretien et des complications des lentilles rigides. Alors, c'est ce chapitre justement fait que la contactologie doit rester un geste médical justement pour guetter ses complications et pour un bon entretien qui va faire que le temps qu'on a consacré pour trouver une bonne la bonne lentille, le bon rayon de courbure persiste et c'est-à-dire que le patient pourra bénéficier de cet équipement de lentille le plus longtemps possible. Donc je précise que je n'ai aucun intérêt financier. Et donc, l'entretien des lentilles est l'élément clé de succès et de la sécurité de port de lentilles. Il a pour objectif de lutter contre deux éléments importants, la contamination microbienne qui peut venir de la flore microbienne de la surface oculaire. Le deuxième point, c'est lutter contre les dépôts qui peuvent se mettre sur la lentille et qui viennent des composants, surtout des composants du film lacrymal et des débris extérieurs de l'environnement. Et donc, cet entretien de lentille va permettre un bon confort de port de lentille et donc va pérenniser ou faire bénéficier le patient de cet équipement. Quels sont les types de solutions dont on dispose? On dispose de trois types de solutions. Les solutions multifonctions sont de loin les plus utilisées parce qu'on a affaire à manipuler un seul produit. Ça permet une meilleure observance dans le port de lentilles et on peut s'aider avec ça d'un massage mécanique qui va permettre l'élimination des dépôts sur les lentilles. On peut utiliser aussi les oxydants, mais il faut savoir qu'ils ont une cytotoxicité cornéenne et qu'on doit les laver après, les neutraliser après. On peut aussi s'aider des unifonctions, mais ça nécessite l'utilisation d'une multitude de solutions. Donc, quelles sont les fonctions des solutions d'entretien? Alors, il y a six fonctions importantes. La première est le nettoyage. Ça permet de nettoyer les dépôts et les débris à la surface des lentilles. Ça c'est assuré surtout par les surfactants qui solubilisent ces dépôts et qui permettent, en solubilisant les dépôts, d'éliminer le dépôt de micro-organismes bactériens sur la lentille. Et ça permet de décontaminer les lentilles après. Après le nettoyage, on a à faire un rinçage surtout par les multifonctions et parfois par des unifonctions à base de chlorure de sodium qui enlèvent 90% de contaminants et de débris. Et puis par la suite, la décontamination, ça va permettre de réduire le nombre de bactéries et de micro-organismes sur les lentilles pour arriver à un niveau qui est acceptable. Et pour ça, on utilise surtout les biganides, les ammoniums quaternaires. Donc, l'autre fonction importante des solutions d'entretien, c'est la lubrification des lentilles. Ça permet une meilleure mouillabilité de la lentille pour un meilleur étalement de la solution d'entretien et des larmes, et ça permet un meilleur confort des lentilles. Avec ça, on utilise l'alcool polyvinylique, l'hydroxypropylméthylcellulose ou encore de l'acide hyaluronique. Donc, la déprotéinisation pour éliminer les protéines qui se déposent et qui adhèrent à la surface des lentilles, on peut s'aider d'une déprotéinisation passive, d'une déprotéinisation active ou d'une déprotéinisation mécanique par un massage doux de la lentille, bien sûr non agressif pour ne pas casser la lentille. Et ces solutions permettent la conservation des lentilles vont empêcher la prolifération des micro-organismes sur les flacons de solutions d'entretien après ouverture ou sur les lentilles ou sur les étuis pour une prochaine utilisation. Donc, c'est-à-dire si on veut que l'entretien soit efficace, il faut d'abord
il faut d'abord respecter les règles d'hygiène élémentaires et puis la réalisation correcte de l'entretien par le patient. On doit choisir la solution adaptée à la lentille portée et on doit absolument respecter l'ordonnance avec la lentille prescrite, le type de solution prescrit et la fréquence et le type de port et de renouvellement. Donc, les règles générales, comme vous savez tous, ce n'est jamais assez de répéter les règles d'hygiène générale. Comme a dit Hisna, la contactologie, c'est un créneau qui est chronophage, c'est vrai. Il est chronophage pour chercher la bonne lentille, mais il est chronophage aussi pour expliquer et éduquer le patient à un bon entretien de sa lentille pour justement bénéficier de cette solution optique. Donc, il faut respecter le type de port et la durée du port et le délai de renouvellement de la lentille. Ça, c'est toujours prescrit sur l'ordonnance du patient. Il faut pas porter une lentille abîmée ou souillée ou périmée. Et il faut pas dormir avec les lentilles. Donc, le port continu ou le port nocturne ne peut s'utiliser que s'il est prescrit par l'ophtalmologiste. Il faut changer les étuis une fois par mois. Il faut pas conserver les flacons quand ils dépassent le délai recommandé. Et Dieu sait que les solutions existent partout et avec des prix qui sont abordables. Il faut respecter les dates de péremption des flacons fermés et en cas d'instillation de collyre, en cas de nécessité d'instillation des collyres, il faut s'assurer que le collyre est compatible avec le port de lentilles. Les règles d'hygiène. Il faut toujours expliquer que les risques d'un manque de règles d'hygiène et les complications qui peuvent en découler, il faut proscrire l'utilisation de l'eau du robinet sur les mains, sur les lentilles et sur les étuis. Donc, on lave les mains au savon doux, on essuie bien les mains pour ne plus avoir de l'eau avant manipulation. Et puis, les lentilles et les étuis, ils sont entretenus par le produit recommandé et pas avec de l'eau du robinet. Donc, lavage des mains, comme on a dit. Il faut respecter les règles d'hygiène corporelle et environnementale. On conseille, moi personnellement, je recommande aux patients de ne pas mettre les lentilles dans la salle de bain, sur un lavabo, là où on peut avoir une prolifération de mycose. On recommande le plus souvent de manipuler les lentilles dans la chambre, sur une commode ou une table, avec des règles d'hygiène strictes. Donc, il faut bannir les baignades, les douches, ne pas utiliser les lentilles dans les jacuzzis, les hammams, et il faut pas utiliser la salive pour lubrifier les lentilles. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, il faut s'attarder sur l'éducation du patient et des risques que ça peut engendrer. Il faut pas prêter ses lentilles à une tierce personne. Et à chaque fois qu'on a une sensation de gêne, donc on explique au patient, on l'éduque sur ses signes. À chaque fois qu'il y a une sensation de gêne, de rougeur, de photophobie, de larmoiement, de démangeaison, de brûlure, de paupières gonflées, on ne pose pas la lentille. Ou si on l'a sur l'œil, on la retire immédiatement. On garde tout, on jette rien et on demande une consultation urgente. Il faut toujours garder le contact, bien sûr, entre l'ophtalmologiste et le patient porteur de lentilles. Donc, la réalisation correcte de l'entretien. Donc, après la pose de lentilles, avant la pose, on rince la lentille, on la prend c'est-à-dire après lavage des mains, bien sûr, on la prend de l'étui, on la rince, et puis après la pose, on vide les étuis, on garde les étuis à sec, et si on met pas la lentille, il faut savoir que la conservation maximale des lentilles dans l'étui avec la solution est de maximum 8 jours, et il faut reboucher les flacons de solution après chaque emploi pour éviter justement les proliférations de micro-organismes. Et après le retrait de la lentille, on procède d'un massage doux dans le creux de la main avec la solution multifonction. On remplit l'étui de solution fraîche. Il ne faut pas garder la solution de la veille. On met une quantité suffisante pour que la lentille s'immerge dans la solution. Et on doit se souvenir de mettre chaque lentille dans le compartiment correspondant pour ne pas inverser les lentilles et pour ne pas avoir une baisse d'acuité visuelle à la pose. Et bien sûr, on doit respecter le temps de trempage.
Donc, quelle est la solution adaptée? La solution adaptée est une solution qui a une bonne efficacité antimicrobienne, mais en même temps qui n'est pas toxique pour l'œil, qui respecte le matériau et qui est facile pour l'utilisation, qui est facile d'utilisation pour le porteur et qui permet un confort d'utilisation. Donc, cette efficacité passe par la concentration, elle dépend de la concentration de l'agent actif, du temps de contact et du principe d'action de l'agent actif. Mais en même temps, elle doit respecter une tolérance qui dépend de la composition des solutions, du terrain du patient et des pathologies associées. Et l'intolérance vis-à-vis de ces solutions va donner un inconfort au port de lentille et ça va être un facteur d'abandon des lentilles, même si la lentille est très bien posée avec une bonne image fluo. Donc, on passe au chapitre complications. Donc, il faut savoir qu'il y a des complications infectieuses qui sont graves, heureusement rares, surtout avec les lentilles rigides et sclérales, et d'autres complications non infectieuses qui sont plus fréquentes, allergiques, toxiques ou mécaniques. Donc, on va commencer par les complications les plus fréquentes, donc les complications allergiques dans la conjonctivite gigantopapillaire qui se voit plus dans le port de la lentille rigide, moins avec la lentille sclérale. Quand on a une gigantopapillaire avec une lentille rigide, on passe souvent au port de lentille sclérale. C'est une conjonctivite qui peut survenir par irritation mécanique à cause d'une lentille mal adaptée. Donc, on passe à une réadaptation de lentille ou par les substances comprises dans les solutions d'entretien. Et donc, à ce moment-là, on change de solution d'entretien. Les complications toxiques ou le corneal staining ou les pictées. Ces piquetés se voient à la fluorescéine de couleur jaune-vert, à la surface de la cornée, à la lampe à fente, bien sûr, en lumière bleue. Et ils sont souvent symétriques d'un œil à l'autre. On les retrouve soit localisés, soit diffuses. Et le staining est maximal 2 heures après le port de lentille, puis il diminue pour disparaître au bout de 6 heures. Donc, c'est entre 2 heures et 6 heures qu'on peut l'observer, de port, bien sûr. Donc, la première figure, c'est les six. Ce sont des piquetés qui sont diffus sur la cornée, surtout sur le centre de la cornée, où parfois on a nos périphéries qui sont souvent bilatérales. Ils sont souvent d'ordre toxique ou allergique et c'est associé à une association inadaptée entre la lentille et la solution d'entretien. Et donc, on procède à un changement de produit d'entretien qui règle le problème. Parfois, on a des piquetés sous lentille qui sont plus important et qui nécessite soit un changement de produit d'entretien, soit carrément un changement d'adaptation. Le smile staining, c'est un piqueté en demi-cercle inférieur. Il traduit une insuffisance de renouvellement des larmes sous la lentille. Donc, il faut évaluer la quantité de larmes et vérifier aussi la géométrie de la lentille pour voir si on a affaire à une mauvaise adaptation pour la changer ou on peut s'aider d'une instillation de larmes artificielles pour régler le problème. Alors, le syndrome 3h-9h, le plus fréquent, c'est une KPS, ce sont des piquetés qui sont situés dans l'axe horizontal à 3h et à 9h, dans l'air palpébral, dans la fente palpébrale, avec s'associant souvent à des hyperémies conjonctivales en regard, avec sensation de corps étranger. Donc, ça donne un inconfort au port. Et là, on doit voir si ça résulte d'un appui sur un axe d'astigmatisme cornéen horizontal avec un appui important à 3h et à 9h. Et à ce moment-là, on procède à un changement de géométrie de lentille qui va permettre un meilleur alignement de la lentille et donc une disparition de ce syndrome de ce syndrome 3h-9h. Et
Sinon, donc, si l'adaptation est satisfaisante, on peut avoir un syndrome 3 heures 9 heures qui résulte d'une insuffisance de clignement avec un syndrome sec. Et donc, on peut céder de l'arme artificielle avant de changer l'adaptation de l'outil. Donc, on peut avoir des érosions localisées qui sont dues soit à une cause extrinsèque à la lentille avec présence de corps étranger sous la lentille. Et donc, c'est pour cela qu'on recommande aux patients de toujours garder avec eux la petite trousse, avec l'étui, la solution d'entretien pour, à chaque fois qu'on a cette sensation de corps étranger, qu'on a suspecté quelque chose qui est rentré sous la lentille, on enlève la lentille, on la lave et puis on la remet pour ne pas avoir des érosions, justement. Et si ça persiste, bien sûr, il faut consulter l'ophtalmologiste. Ça peut être un signe de quelque chose de plus grave. Les causes intrinsèques, c'est l'utilisation de lentilles endommagées, de lentilles déplacées, de lentilles rayées. Parfois, quand les patients font un massage un peu agressif de la lentille, ou ça donne des rayures sur la lentille, ou la lentille, elle tombe et il la tire par terre et donc ça raye. Et ça peut donner des petites érosions au regard. Donc le frotte, ce sont des petites empreintes il résulte de la présence de petites bulles sous la lentille, surtout sous la lentille rigide, sans ulcération épithéliale, mais c'est des petites empreintes de ces bulles d'air. C'est souvent périphérique supérieur par défaut d'alignement des lentilles. Ça donne des sensations d'inconfort par dessiccation de l'épithélium cornéen. Si le frotte est central, ça peut donner une gêne visuelle. Donc, on doit réadapter la lentille et choisir une lentille un peu plus combrée ou plus petite pour refermer les dégagements périphériques et limiter la rentrée de bulles sous la lentille. Donc, là aussi, donc un frotte supérieur avec une petite bulle supérieure quand on enlève la lentille quand on enlève la lentille, on a une disparition progressive de ces frottes. Et là, ce patient-là, qui est greffé de cornée, a bénéficié plutôt d'un équipement en lentille minisclérale qui a réglé le problème. Donc là, des photos de dépôt sur une lentille mal entretenue. Donc, on a juste procédé on n'a pas eu besoin de déprotéinisant de plus. On a recommandé aux patients de faire un petit massage, de céder d'un petit massage de la lentille après la dépose. Et ça a donné un nettoyage de la lentille. Et donc, la lentille est bien centrée, on la garde. Donc là, par contre, c'est une lentille... C'est une lentille qui s'est ventousée autour du cône inférieur, donc avec présence de dépôt sous lentille en supérieur. Quand on a donc sur l'image de droite, quand on lève un peu la lentille, on trouve la marque du ventousage de la lentille. Et donc ce patient-là aussi a bénéficié d'un équipement en lentille sclérale avec une lentille plus stable et une meilleure qualité de vision. Donc là aussi, des dépôts sur lentille sclérale chez une patiente ayant une ectasie postlasique et en bénéficiant à gauche d'un équipement de la mise en place d'anneaux intracornéens. Et puis par la suite, un équipement en lentille sclérale. Mais la patiente a un début de Parkinson et donc... Ça n'aide pas beaucoup dans l'entretien de la lentille. Et même avec ces lentilles sclérales, on a une acuité qui est basse. Donc, on est en train de réfléchir au bon équipement réfractif pour elle. Donc, l'irritation mécanique par appui scléral en lentille sclérale justement. Donc là on a une bonne adaptation centrale, un bon dégagement central, mais au bord on a ce petit appui sur l'image de droite, ce petit appui conjonctival qui donne une irritation mécanique, une rougeur localisée. Et puis, on arrive au chapitre des kératites infectieuses. C'est les complications les plus graves
C'est vrai que c'est plutôt l'apanage de lentilles souples qui ont l'effet pansement et qui permettent de diminuer la douleur de l'abcédation ou de l'infection cornéenne, mais elle existe avec les lentilles rigides. Et à chaque fois, elles peuvent être bactériennes, virales, fongiques ou amibiennes. Le patient porteur de lentilles rigides a le droit aussi de faire des conjonctivites. Et donc, à chaque fois qu'il n'est pas averti sur le fait qu'il doit enlever ses lentilles quand on a le rouge, ça peut favoriser la présence de kératite. Et donc, à chaque fois qu'on a la sensation de corps étranger accentuée avec la lentille, heureusement, donc la lentille rigide va permettre d'accentuer la douleur sous lentille. À chaque fois qu'on a une baisse d'acuité visuelle, de rougeur, de larmoiement, il faut immédiatement enlever la lentille si on la porte, et sinon, il ne faut pas la porter. Il faut demander un rendez-vous de consultation en urgence. Les patients porteurs de lentilles ont toujours un numéro de téléphone disponible pour les urgences. Et il faut, dans l'éducation du patient porteur, on s'attarde à lui expliquer qu'il ne faut jamais... rien jeter. Il faut ramener tout le matériel de manipulation, la lentille, les lentilles, les étuis, les solutions, pour justement essayer d'avoir un examen bactériologique, essayer d'avoir la bactérie en cause ou le germe en cause, et pouvoir proposer un traitement adapté. Donc là, des exemples de kératite bactérienne à gauche, au milieu une kératite fongique et une kératite amibienne à droite. Donc, les lentilles de contact, c'est une solution réfractive dans bon nombre de cas. À chaque fois qu'on peut pas équiper, qu'on a une mauvaise réfraction avec l'équipement lunette, on a la chance d'avoir ces lentilles de contact qui nous permettent un rétablissement visuel, surtout chez les patients jeunes qui nécessitent de bonnes performances visuelles. Il y a des innovations multiples dans l'amélioration des matériaux, ODK, dans l'amélioration des produits d'entretien aussi, avec l'utilisation de conservateurs moins toxiques ou pas de conservateurs du tout, des hydratants, etc. Mais l'étape essentielle, à mon avis, c'est l'éducation de porteur de lentilles. On s'attarde avec le patient encore 10 ou 15 minutes pour lui expliquer tout le processus d'entretien de lentilles, les petits massages de la lentille et surtout les complications et ce qu'il ne faut pas faire avec la lentille. Voilà, je vous remercie. Merci Raja pour donc ce chapitre qui est hyper important, notamment concernant les complications. C'est tout le donc si on veut que la lentille soit une solution viable, et elle l'est, il faut absolument que ce soit sous surveillance médicale stricte. Il faut prévenir et bien éduquer le patient, comme tu l'as si bien expliqué, et guetter les complications assez tôt. Donc c'est vraiment un chapitre absolument à connaître avant de se lancer dans l'adaptation. Donc, on vient au bout de notre webinaire, en tout cas pour les présentations, et on passe à la discussion. J'imagine qu'il y a des questions, de multiples questions, j'en ai quelques-unes. J'ai une question de notre ami Khadija Ben Moussa, qui parle, donc, dans ce contexte de Covid, est-ce que c'est pas une bonne idée de faire comme dans la conjonctivite à adénovirus, des lavages, collir à la bétadine diluée à mettre pendant une semaine avant l'adaptation? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je réponds donc. Allô? Oui, c'est oui, bon? Vous m'entendez? Oui. Bon, je pense que ça c'est pas vraiment préconisé pour le moment. Une simple protection, comme c'est recommandé. Donc c'est mieux que d'aller vers une cytotoxicité chez un patient qui est
déjà qui vient pour s'adapter avec des yeux qui sont assez sensibles. Moi, je pense le fait de se protéger, de le protéger lui et le personnel, bien sûr, avec une désinfection systématique après tous les patients, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il faut pas oublier de prendre la température avant d'entrer donc au cabinet et bien sûr et de garder les distances par rapport au personnel soignant, par rapport à nous. Ça, c'est une autre question. Il faudrait être vraiment cagoulé avec tout ce qui va avec si on a la moindre suspicion. Merci Nadia. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? Peut-être. J'ai une autre question aussi. C'est, si j'ai bien compris, pour les dégagements de toricité importants, proposeriez-vous des lentilles toriques postérieures ou autre chose? Par rapport au scléral, ça? J'ai pas d'autre. J'imagine que moi, ce que j'ai compris, c'est que si la cornée est trop torique, est-ce qu'on peut proposer dans les cas d'un kératocone une torique postérieure? Alors, généralement, pour les lentilles cornéennes, vraiment, ça se pose pas du tout le problème avec la périphérie. Mais si on a un cylindre à la suréfraction qui est assez important, à peu près entre supérieur ou égal à 3, ça veut dire que vraiment la géométrie ne va pas avec cet œil-là. Donc, il faudrait vraiment changer carrément de géométrie et changer carrément de laboratoire, essayer une autre géométrie par un autre laboratoire. Généralement, ça se passe très très bien. Donc, mais si on a besoin encore, si par exemple il lui reste un 0,75, une dioptrie et il s'améliore avec, on peut y aller. Bon, avec en mettant donc cette toricité en antérieur, mais c'est jamais par rapport à la périphérie. Hein. C'est toujours à la réfraction centrale qui est à peu près on la mesure à 5 mm. Donc, dans les 5 mm centraux, quoi. En fait, je pense que la question, c'était à propos des dégagements qui sont parfois, qu'on n'arrive pas à adapter à cause d'une toricité périphérique. Enfin, si j'ai bien compris. C'est-à-dire une cornée qui est particulièrement torique en périphérique, parfois on n'arrive pas avec une... Pour les lentilles sclérales, les lentilles cornéennes, dès qu'on a une petite toricité par rapport au dégagement, on pourrait faire aussi des ACT, il n'y a pas de souci. Mais c'est extrêmement rare. C'est rare, oui. Généralement, une fois le sang très bon, même la toricité, la petite toricité, elle disparaît. Et si ça persiste, on pourrait aller vers des ACT. Si je complétais, si, concernant les lentilles sclérales, oui, il faut plus la sclérée torique, plus il faut adapter avec une lentille qui suit la toricité sclérale. Oui, en fait, on fait appel au laboratoire dans ce cas pour qu'il fabrique une lentille avec une périphérie torique, c'est ça? Concernant une lentille sclérale. Lentille sclérale. Oui. Donc, idéalement, c'est d'avoir déjà des boîtes d'essai en lentille sclérale. En lentille sclérale à appui torique. Alors, quand je vous l'ai montré, il y a juste 5% de la population qui a une sclère sphérique. Donc, la majorité ont une sclère asymétrique et torique. Et donc, il vaut mieux, je pense que les boîtes d'essai avec des lentilles sclérales à appui sphérique ne sont pas intéressantes. Ils vont, pour gagner du temps, avoir déjà la boîte d'essai le patient vient lui mettre une lentille à appui torique. Ensuite, la toricité, une torique standard, tout dépend de le laboratoire, donc il a une différence de toricité entre les deux méridiens orthogonaux, mais juste pour savoir comment cette lentille va se stabiliser, les lentilles à appui torique ont des marques pour savoir le méridien le plus plat. Je parle toujours de l'appui scléral, de l'aptique torique. Et ensuite, si on voit que la lentille, malgré la toricité, elle baille sur un méridien où elle appuie sur un autre méridien, il faut augmenter la toricité. Donc, c'est vrai que ça se fait par tâtonnement au début, mais par la suite, quand on travaille avec le même laboratoire,
on gagne du temps. L'autre possibilité, c'est les appareils qui nous donnent une idée sur la topographie sclérale, comme la Pentacam, le logiciel CSP, qui calcule la toricité sclérale. Et si le laboratoire a l'algorithme nécessaire, on gagne beaucoup de temps concernant les retours de lentilles. On arrive rapidement à une lentille. Je me souviens d'un patient, il m'a fallu 5 allers-retours pour trouver la bonne toricité. Et quand on a utilisé le logiciel CSP de la Pentacam, on s'est rendu compte que c'était la toricité qu'on a obtenue après 5 échanges. Donc, c'est vrai, ça fait gagner du temps. La technologie nous fait gagner du temps. Heureusement, d'ailleurs. Donc, une autre question, peut-être, en cas de poussée de kératoconjonctivite vernale, comment gérer le port de lentille? Sans hésitation. Une supratarsale de kénacorte, sans hésitation. Généralement, les patients viennent tous les 6 mois, les enfants. On le fait sous cébésine, c'est vrai. L'enfant, il a très peur la première fois. On lui jure qu'on va pas lui faire mal. Ça ne fait pas mal du tout. Oulah metouja, oulah metouja. C'est vrai que c'est choquant de voir une aiguille. Je lui dis que c'est pas dans votre œil, c'est dans la paupière. J'essaie la cébésine. Croyez-moi, tous les 6 mois, jusqu'à que ils viennent eux-mêmes avec tout souriant et ils viennent. Les pauvres faire leur injection de kénacorte. Je mets 20 mg en supratarsal dans chaque paupière supérieure. Le résultat, il est spectaculaire. Donc, ouais. Est-ce que tu associes un petit peu de xylo au cours d'injection? Non, moi, je le fais. Le kénacorte ne fait pas mal. Contrairement au célestène qui fait très, très, très mal. Ah, le célestène, en soutenant, il faut la xylo. Le kénacorte en souténonien, en supratarsal, en intrachalation, ne fait pas mal. Ne fait pas mal du tout. Bon, il faut de la cébésine parce que c'est l'aiguille qui fait mal. Donc, je vais ajouter juste quelque chose, c'est que pour les kératoconjonctivites vernales, pour ma pratique courante, et ce qui est actuellement recommandé, c'est de commencer avec une forte corticothérapie, donc une goutte x8, x10 par jour. Ensuite, si on n'a pas vraiment de résultat, on passe au supratarsal. Moi, généralement, je le fais sous anesthésie générale, carrément, avec même de la xylocaïne en plus. Et après, systématiquement, je commence le Restasis. Il faut savoir que c'est disponible pour ceux qui peuvent l'avoir au Canada, à Dubaï. En France, sinon, il y avait quelque temps, on pouvait avoir même de la cyclosporine sous nos yeux, donc à l'Institut Hédilaïs d'ophtalmologie de Tunis, par une préparation magistrale. Sinon, 15-20, c'est possible aussi, moyennant une ordonnance et une lettre. Généralement, ils peuvent le procurer sur ordonnance, ou bien même le tacrolimus, actuellement encore valable à Paris, je pense, le tacrolimus, mais en pommade. Donc, on peut mettre la pommade juste sur la paupière, c'est pas à l'intérieur, à la paupière et inférieure. Et le traitement, généralement, ça dure entre 1 an et demi et 2 ans. Et on a d'excellents résultats. Généralement, les patients sont très, très calmes. Donc, une seule injection donc de kénacorte, j'ai pas eu à refaire les injections et j'ai à peu près une bonne série pour cela. Et de toute façon, c'est recommandé afin de diminuer les risques de corticodépendance, d'hypertonie et tout ce qui va avec, d'autant plus que ces patients-là vont recevoir assez de corticoïdes de toutes les manières tout au long de leur vie. Alors, autre chose, c'est que pour les kératoconjonctivites vernales, par exemple, pour ceux qui traitent beaucoup de la surface oculaire, c'est vrai que moi, j'y vais plus facilement vers les sclérales, mais eux, en fait, ils soutiennent que vu qu'il y a un réservoir de larmes, alors que pour les kératoconjonctivites vernales, le problème, en fait, c'est pas le frottement de la paupière sur la cornée qui donne vraiment les ulcérations et tout ça, c'est vraiment la cytotoxicité des propres larmes du patient. Donc, de mettre
tout un réservoir rempli de trucs cytotoxiques contre l'œil, c'est pas vraiment recommandé pour eux. Moi, je pense que on pourrait donc traiter correctement et après pour les irrégularités cornéennes passer une fois le cap donc de la poussée donc les parties. Donc bon, je pense que c'est ce qui est pour le moment en 2020 est recommandé actuellement. Les enfants qui sont sous lentilles de contact, c'est difficile de faire 10 gouttes par jour ça avec des lentilles de contact. En principe, il faut Oui, généralement ils commencent, bon, moi généralement je commence, c'est vrai, pendant 15 jours vers ce protocole, et si j'ai pas vraiment de bons résultats directement, je programme la dans le jour qui vient, dans les 24 heures, l'injection. Moi, j'aurais une question pour docteur Bulki. C'est les lentilles sclérales, justement, sont tellement confortables qu'il y a des patients qui les portent pendant trop longtemps. Et personnellement, j'ai vu un patient qui avait une néovascularisation cornéenne très, très importante sur des lentilles sclérales. Donc, il faudrait peut-être... quelle est la durée de port journalière qu'il ne faut pas dépasser chez ces patients-là, parce que c'est tellement confortable qu'ils n'ont pas envie de retirer leur lentille, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan confort visuel. Sur le plan confort. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord et croyez-moi, je me mets à leur place, hein, les ports. Et donc... augmenter le déca. Maintenant, on a le Contamag avec le matériau de 200 de déca. J'ai vu des cas où le même design est une belle adaptation. Le volt est respecté, pas d'indentation des vaisseaux. Et malgré cela, parce que le port il est de plus de 12 heures, il la met à 6 heures du matin, il enlève à minuit. Il ne change pas le port de lentille. Il y a des néo-vaisseaux et la situation est d'autant plus grave s'il s'agit d'une greffe de cornée. Et si l'adaptation est parfaite, augmenter le déca. Et c'est vrai que quand on passe d'un déca de 120 à 200, j'ai des cas où le néo-vaisseau disparaît. Donc, prolonger le port toute la journée. Oui, croyez-moi, si on leur dit de fractionner le port, souvent ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et il dit que le patient dira qu'il ne pourra pas faire ça et il est au travail et il oublie de le faire. Il oublie de le faire. On lui donne une lentille sclérale, il ne va pas l'enlever. Il faut dire la vérité, il ne va pas l'enlever. Et il va l'enlever juste pour dormir le soir. Donc, privilégier les décas élevés, plus de 100. Oui, je vous ai dit, je me répète, l'exemple de 220 de 120 à 200, le néo-vaisseau a disparu après quelques semaines, tout en gardant le même temps de port. Est-ce nécessaire de retirer la lentille pendant la journée pour changer le sérum qui est réservoir chez... Tout dépend du patient. Il y a des patients qui viennent tard le soir, quand on travaillait le soir, et on voyait des réservoirs limpides, sans tache. Et il y a des patients, surtout qui ont une maladie de surface oculaire, qui voient leur réservoir rapidement devenir brumeux parce que le turnover de leur épithélium est rapide lorsqu'il s'agit d'une maladie de surface oculaire, certainement. Et donc, lorsque le réservoir devient laiteux et blanc, donc le patient lui-même va retirer la lentille. Il est obligé de retirer la lentille parce qu'il ne voit pas. Mais lorsque le problème se pose lorsque le malade a un bon épithélium, qui ne desquame pas rapidement et qui fait qu'il peut garder la lentille toute la journée, plus de 12 heures avec une vision claire. Et s'il y a une hypoxie, la solution actuellement, c'est d'augmenter le déca. Alors, dans le même sens, j'ai posé une question à Nadia.
Il y a des patients qui ont un kératocone qui sont adaptés en lentilles de contact et qui demandent est-ce qu'ils peuvent porter leur lentille plusieurs jours, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent dormir avec leur lentille. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, généralement, moi, je recommande de ne jamais dormir avec aucune lentille. Mais c'est vrai que c'est des lentilles rigides qui peuvent être utilisées pour un port permanent. Sérieusement, pour des kératocones, pour des cornées assez fragiles, je recommande. Bon, ils peuvent aller avec un port de 12 heures, il n'y a pas de souci, même un petit peu plus, mais jamais en port permanent. Ça, c'est pour ma part. Et généralement, tous les patients sont bien. Moi, je recommande pour aucune lentille, qu'elle soit même avec des décas de 200, à moins que c'est vraiment des enfants, des bébés ou là, d'avoir. Quand on est vraiment obligé, hein. Mais sinon, non. Qu'est-ce que tu en penses, Esma? Moi, je pense que, comme Nadia, pas de port permanent, mais on a quand même la sécurité quand on a un matériau très perméable. Si jamais, de manière très occasionnel, on va dire, quelqu'un qui se retrouve loin de chez lui et qui ne peut pas rentrer ou il n'a pas accès à ses produits, on a quand même la sécurité d'avoir un matériau très perméable. Il peut passer une nuit avec sa lentille, vraiment de temps en temps, mais c'est surtout pas à recommander. Mais on a quand même cette sécurité avec les lentilles rigides et les matériaux à très fort dégât. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'il s'il n'a pas ses produits sur lui, pour X raisons, il vaut mieux qu'il les garde sur les yeux, qu'il dort avec, plutôt que qu'il les dépose n'importe où, avec n'importe quoi. Bon. Mais je ne recommanderais pas, c'est-à-dire, il ne faut pas ouvrir beaucoup cette porte. Il ne faut pas lui dire au patient, sauf en cas de nécessité. Alors, pour Roger, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut systématiquement associer des larmes artificielles chez les patients qui sont adaptés en lentilles pour éviter justement ces problèmes de surface et les complications liées aux lentilles de contact? Oui, je pense qu'il ne faut pas lessiner sur les larmes artificielles non conservées. Ça améliore le confort et... Pour moi, c'est systématique. Oui, c'est systématique. Pour... Une question peut-être de mon ami Bouchra Lely. Dans ce contexte de Covid, est-ce qu'il faut arrêter l'adaptation de nouveaux patients et garder uniquement les anciens ou bien il faudra qu'on garde notre activité d'adaptation? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on est des personnels soignants, donc on prend nos précautions et on s'occupe de nos patients et on leur offre le meilleur de nous-mêmes, on leur offre la chance. Il ne faut pas paniquer, céder à la panique, même si c'est pire que ça, on doit être là pour eux, on doit pouvoir les adapter en prenant toutes les précautions possibles. On est encore un personnel soignant qualifié, on est prêt pour ça, on a été formé pour ça, il n'y a aucun problème, on prend nos précautions et en principe tout ira très bien. Je suis d'accord avec Nadia parce que c'est difficile de dire à quelqu'un qui a un kératocone qui voit 2/10 ou 1/10 qui a besoin de travailler et de conduire, de lui dire on attend que le confinement soit terminé pour vous faire vos lentilles de contact. Il faut prendre un petit plus de précautions, aussi bien pour nous que pour les patients, et adapter ces patients. Je dirais même qu'un formidable qui a cassé ses lunettes durant l'épidémie, il faut l'accepter. On n'avait pas cessé l'activité, le tri était difficile, mais on a des situations sociales qu'il faudra gérer. Mais même s'il n'est pas formidable, avec moins 2, on a 2/10 d'acuité, on ne peut pas conduire, on ne peut pas regarder la télé. Donc, l'urgence en ophtalmologie est très, très relative. Oui. Je peux me permettre de rajouter qu'il faut évaluer, c'est-à-dire pendant cette pandémie, si le patient a besoin de ses performances visuelles, justement, et il est actif, oui, pourquoi pas l'équiper en lentilles de contact. Je parle des nouveaux porteurs.
Je parle des nouveaux. Les anciens, ils sont habitués à manipuler leurs lentilles, ils sont habitués à l'entretien, mais pour les nouveaux, si c'est un patient qui n'a pas besoin, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui est confiné chez lui, on peut retarder l'adaptation de lentilles le temps que la pandémie passe et le temps que moi, je pense, c'est-à-dire il n'est pas habitué aux manipulations, donc on peut attendre un peu. Mais je pense que la période de confinement qui était c'est-à-dire trop risquée est déjà passée et là on est auprès des confinements on peut commencer à reprendre nos cours. Je pense que pour eux, c'est en général pour n'importe quel acte médical il faut mesurer le risque et le bénéfice. Donc si effectivement c'est quelqu'un qui a une indication cosmétique, on peut à la limite retarder un petit peu, mais si c'est une indication médicale comme c'est le kératocone ou bien les fortes amyotropies ou les anisométropes, je pense qu'il faut y aller, il faut reprendre l'activité progressivement et avec un peu plus de précautions que d'habitude. Déjà, on prend beaucoup de précautions d'habitude, on a le lavage des mains, donc la désinfection et tout ça. Donc là, il faut renforcer encore plus ces habitudes. Alors, peut-être une autre question, les topos de contrôle d'un kératocone, soit annuel ou biannuel selon l'âge, combien de temps il faudra déposer les lentilles avant, effectivement? C'est un problème qui se pose. Je répondrai sur la spirale. Un mois pour les lentilles rigides, pour avoir une bonne topographie. C'est difficile à accepter, hein, un kératocone. Oui, je sais, c'est difficile. Mais il faudrait toujours avoir même des lunettes, même si on n'arrive pas avec à un dixième de deux dixièmes, mais ça vaut le coup. Il faut lui expliquer que ça vaut le coup de faire ça. Ça vaut le coup de prendre le temps de bien examiner, de bien faire la topographie afin de détecter les moindres différences parce que il y a un retentissement thérapeutique une implication thérapeutique assez significative quand même. Moi, j'ai une petite solution pour ça. Quand le patient ne peut pas retirer les lentilles, je retire la lentille œil par œil. Je retire la première la lentille sur un œil et on fait la topographie. Et puis ensuite, il remet sa lentille, il retire la deuxième et on refera la topographie un mois après pour lui éviter justement de rester cette période où il ne voit pas très bien. Surtout qu'il est habitué à bien voir. Bonne astuce, Hasna, donc pour limiter un peu la gêne, effectivement, qu'il soit à moitié gêné avec une lentille en moins. Oui, pourquoi pas. Avec la lentille sclérale, il suffit qu'il enlève la veille et qu'il vient le matin sans lentille. Les études ont montré qu'il n'y a pas vraiment un changement de la topographie après une nuit sans port de lentilles. Effectivement, avec les lentilles, il n'y aurait pas de warpage puisqu'il n'y a pas d'appui cornéen. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres questions, Hasna? Pour moi, c'est bon. On est bien, on est presque à l'heure, on n'a pas beaucoup débordé, c'est très bien. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques pour conclure. Donc, c'est pour un petit peu conclure, récapituler un peu. Donc, je rappelle que c'est que l'adaptation des lentilles de contact en général est un acte médical, strictement médical, et que c'est encore plus pour les cas particuliers comme le kératocone. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a affaire à un patient, on n'a pas affaire à une cornée. Donc, il faut absolument avoir un examen clinique complet avec prise de tonus, avec examen de la rétine, fond d'œil, etc. Et aussi parce que, plus spécifiquement en matière de contactologie, il faut une surveillance médicale stricte pour guetter, pour prévenir, pour guetter et pour bien prendre en charge les éventuelles complications possibles. Donc, le premier topo, Hasna, nous a un petit peu récapitulé le kératocone, donc en appuyant sur le fait que c'est très probablement une pathologie multifactorielle, que l'évolutivité va dépendre de l'âge, et donc ça, c'est une surveillance très particulière et très serrée, d'autant plus que le patient est jeune, que sur un plan d'examen clinique, la réfraction est spéciale. La réfraction du kératocone, souvent c'est très différent du ticket du réfractomètre, donc ça prend beaucoup de temps, ça vaut le coup
vraiment de faire une bonne réfraction, d'utiliser le cylindre croisé de Jackson pour avoir au moins une réfraction lunette la plus correcte possible, parce que même si on l'adapte en lentille de contact, il est obligé d'enlever sa lentille le soir, de continuer peut-être à travailler. Et il est obligé aussi de la déposer si on a besoin de faire sa topographie de contrôle. Donc les lunettes, il ne faut pas oublier, d'autant plus que ça peut aussi régler le problème d'un kératocone débutant. Mais que la lentille ou la solution contactologie est la solution centrale, c'est vraiment central dans la vie d'un kératocone. C'est essentiellement ça qui va lui permettre d'avoir une réhabilitation visuelle la plus correcte possible. Donc Nadia nous a parlé de l'organisation de la consultation en temps de Covid, de pandémie Covid. Donc c'est des mesures qu'on connaît très bien, mais qu'on doit juste renforcer encore plus, et que ça prend un peu plus de temps. Donc il faut y aller, ne pas arrêter l'adaptation, mais y aller progressivement. Je passe sur beaucoup de choses. Donc, l'India a insisté sur le fait qu'en matière de lentilles rigides, il faut commencer par adapter le centre, puis la périphérie. Donc, ça, c'est ce qui est préconisé, c'est ce qu'on fait effectivement, et c'est comme ça que ça marche. Docteur McKee nous a bien parlé de la lentille sclérale, qui est la solution de deuxième intention, qui est une solution extraordinaire pour des cas extrêmes. Donc elle élargit de manière très importante les possibilités d'adaptation des cas assez évolués. Donc j'ai retenu que si on a une différence d'élévation entre le point le plus plat et le point le plus cambré d'environ 400 microns, on passe directement à lentille sclérale. C'est pas la peine de passer par les lentilles classiques. Ça nous a parlé aussi des cas particuliers, notamment les post-greffes, les post-anneaux, les enfants. Donc juste pour rappeler que la solution contact, la prise en charge en général du kératocone actuellement a pour effet de retarder ou voire de sursoir à la kératoplastie, ce qui est une très bonne chose, et que même les kératocones greffés peuvent avoir besoin d'une solution de contactologie, donc une lentille, soit une lentille spéciale post-greffe, soit une lentille sclérale. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que le patient n'a pas envie de porter des lentilles ou qu'il faut passer directement à la greffe. Il faut essayer de le convaincre, parce que même après la greffe, il peut en avoir besoin. Et pour terminer, Raja nous a parlé du chapitre très important des complications. Donc, c'est pour ça que c'est un acte qui est sous la responsabilité d'un médecin, d'un ophtalmo, qui doit absolument connaître ces complications, les prévenir, bien informer, bien expliquer aux patients et les guetter à temps pour ne pas tomber dans des complications parfois extrêmement graves. Donc, il y a probablement encore plus à dire. Hesna, si tu as quelques remarques. Sinon, moi, c'est un petit peu ce que j'ai retenu de ce webinaire qui m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Esma. Merci beaucoup pour cette synthèse. Je remercie tous les orateurs. Merci pour votre participation. Et je remercie les laboratoires BioLens pour avoir coiffé cette manifestation. Et je pense qu'on est heureux d'entamer la dernière semaine de confinement au Maroc. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans qui sont avec nous et qui nous écoutent. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à vous tous. Merci. On est plus...